Had another terrific season for the Memphis Grizzlies, going all the way. That's with a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three, and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. Not that, what is another left to say? Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Beautiful pass. Russell Westbrook, stolen away by Curry. Oh, what a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is the game for guards. Catch and shoot by Corver. And he's 91% at the foul of his quarter from the other side. Wade, and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard. Kept alive. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. You love me because I'm Kobe, because I'm a five-time champion, because I'm one of the greatest to step on the court. But you shouldn't. You should hate me. Hate me. Because I gave you 4 a.m. Because I pushed you when no one else would. Hate me. Because I demanded greatness. And greatness demands everything. Love me. When you become greater. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. You're not supposed to be here. You're not supposed to get out of your neighborhood. You're not supposed to believe you can do it. Yeah, you were told you were going to be one of the greats. But they told so many others the same thing. You're not supposed to be here. You're not supposed to pass the ball so much. Or play like a giant. No matter what. You're not supposed to be here. You're not supposed to play 40 minutes and make up 40 feet. And make a defensive play. Defining moment in your career. You're not even supposed to be here. And yet, here you are. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde.
Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radioof.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est les mieux à la radio. Génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits des couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas, consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Radio Off Basket, c'est la radio partenaire officielle NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est les mieux à la radio. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Fires a long one. Oh! He's dead again. Every exciting matchup. Puts it in. Every incredible shot. Right-handed hammer. Every big moment. Every game live and on demand in HD quality. On every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up today. They said you would never do it. It was just too much. The distance was just too far. You had never done it before. It was impossible. But the feel of those shoes on your feet? You can fly. You can soar. With Nike, you can. The impossible becomes possible. The unachievable becomes achievable. With Nike, you can become what they thought you would never be. With Nike, you will persevere. Feel the wind at your back. Do things you've never done before. You will deliver the win. Nike, deliver victory. Mamba mentality is a constant quest to find answers. It's that infinite curiosity to want to be better, to figure things out. Mamba mentality is, you know, you're going, you're competing. You're not worried about the end result. You're not worried about what people may say. You're not worried about disappointing others. You're not worried about any of that. You're just focused on being in the moment. You know, that's what Mamba mentality truly is. With Mamba mentality, color is a good visual representation that connects certain emotions. I try to look at 5 attributes that you need to improve and to propel yourself forward. It's an understanding of, do you see yourself through this color? How do you interpret this color? And it may be different for everyone. And I think that's what's important for us to do color theory. Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James. You know, they just have a constant curiosity about learning the game, about figuring the game out, and how can they take the game to another level. Their constant quest to improve is a true embodiment of Mamba mentality. I mean, the most important thing is to have that thirst for knowledge and that thirst to get better. Vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. So savor your savior, appreciate what the God gave ya. I'm not your pops, but the spots I drop raise ya. Before all that radio bullshit enslaved ya. Like kids taking candy from a stranger. That mainstream path you're on, it spells danger. Kick it old school like a Motorola pager. Underground, put my gym step, guess I'm major. Cut like a razor, drop like an anchor. You against me, Twilight, first rank or. Bring forth the white flag, it's a winnable. You're pitiful, keep your casualties at a minimum. I literally leave your whole squad critical. So don't be cynical, just accept it for a finish. You I'm elemental, I'm essential, a mineral. And anybody that oppose gets ridiculed. La 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 la. La 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 la. It's just bars and bullshit. Time to make your peace, you'll be deceased, ain't no playing dead. I cross the T's and dot the I's, careful for made it said. So hang your head, accept defeat and you'll be sprayed with lead. But take the easy route of dying as you lay in bed. No breaking bread, no alliance, no escape. Just a lot of sad faces sitting crying at your wake. Now I'm lying, that's a fake, ain't nobody gonna miss you. Your death's not an issue, why your moms won't kiss you. You're cleaning up my load, the only time she used tissues. So yeah, your funeral is just a chore for her to sit through. I diss you, no response from your bitch crew. The only cut they drop is razors to the wrist shoot. That's why rappers hanging up the mic promptly. I decimate a motherfucker trying to knock me. He act cocky, beat him till he's sloppy. Talking like Rocky, hit his girl with the salami. La da 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 da. La da da da.
My mind's twisted like dreadlocks. I fire off bars, only setting up headshots. I said stop, you ain't listening to your dead pops. Cause so your girl call me Fred, make the bed rock. A big poppy but ain't playing for the Red Sox. Bitches grabbing at my tool, keep the shed locked. Cause some twats ain't clean, bumpy as Fred Fox. She got a yeast infection, call it a bread box. I'm making head knocks, shaking like it's Parkinson's. A marksman on the mic, killing rappers, hide the carcasses. I'm like a pharmacist, give you what you need to keep the profits. So keep your profits, be it Jesus, Moses, or Muhammad. Be honest, y'all prefer to not get said. Y'all keep imaginary friends like it's Drop Dead Fred. You wanna cock that lead and bring a bomb on a plane. Killing abortion doctor, blame it on Barack Hussein. Saying y'all are lame. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Bienvenue la famille! Bienvenue à toute la famille du basketball! Merci d'être connectés les amis! Une fois de plus sur le parquet de la radio! Radio of Basket, Radio Hall of Fame Basket, tout simplement la radio numéro 1, la radio partenaire officiel NBA, la radio numéro 1 donc pour tous les fans de NBA, vous l'aurez compris, et pour ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix, c'est bien moi Philippe Lélé, aka Oncle Phil, depuis Manchester au Royaume-Uni. Et comme vous le savez, hein, je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul, je suis toujours accompagné de mes partenaires, de mes collaborateurs, nos fidèles auditeurs sur le parquet de la radio off. Et pour démarrer ce talk show, cette soirée du mardi avec le match des auditeurs, mesdames et messieurs, on va commencer par aller du côté d'Oklahoma City pour accueillir Eddie. Eddie depuis OKC sur le parquet de la radio. Bienvenue Eddie. Oui. Bienvenue en copie. bonsoir tout le monde. C'est comment la forme? Ouais ça va. La semaine qui débute doucement. Oui, elle est toute calme. On ne se plaint pas. On se plaint pas. Super. En tout cas, on est très très heureux de te savoir sur le parquet de la radio. Alors là, on doit avoir Dimitri qui doit être avec nous tout à l'heure. Je suis en train de l'appeler Dimitri depuis Londres. Hein. Alors pour ceux qui connaissent les habitués des panélistes du mardi, hein, on a l'habitude là, d'avoir la présence du doc
ONP sur le parquet de la radio. Mais comme on vous l'avait expliqué il y a encore quelques semaines, le Doc ONP qui est en déplacement du côté de l'Afrique du Nord. Doc ONP qui vaque aussi à ses autres occupations dans le cadre professionnel. Donc il est du côté de l'Afrique du Nord en ce moment. Sauf erreur de ma part, il me corrigera sûrement hein, puisque le Doc ONP est toujours reconnecté. Même s'il ne peut pas participer en direct, il écoute les talk shows. Donc si je fais erreur sur sa situation, sa géolocalisation, on peut dire ça comme ça, hein, dit, la géolocalisation, voilà, c'est ça, la géolocalisation. Voilà, donc si j'ai fait une erreur sur sa géolocalisation, il me corrigera tout à l'heure. Bien entendu, vous en avez l'habitude, on a souvent le détenteur de la bague du King hein, sur le parquet de la radio. On lui envoie un gros big up. Il s'agit de Pierre Ngouame aka Mopo, depuis qui est d'habitude hein, depuis le Delaware aux États-Unis hein. Pour ceux qui suivent les talk shows, vous le savez, il est aussi en déplacement en ce moment. Il est du côté de l'Afrique centrale, plus précisément du côté du Cameroun, et on lui envoie un gros big up hein, à Pierre Ngouame aka Mopo. Ah, Eddie, Mopo qui enjoy la chaleur du pays. Comme ce gars, il est toujours en train de faire ses business. Une passion, coucou et de son côté. On lui envoie un gros big up à Mopo. Hein. On est toujours très très heureux lorsqu'il arrive sur le parquet, et on en profite pour lui souhaiter de passer de très bons moments du côté du 237. Allez, donc Dimitri qui nous envoie un petit message. Il nous rejoint dans une minute. Hein, Dimitri, depuis Londres, qui va être avec nous tout à l'heure. On va faire aussi un big up du côté de Sacramento à Aurélien Biwole. Du côté de Sacramento, on lui envoie un petit ring, on va dire ça comme ça. On va voir s'il décroche, il devrait être avec nous ce soir. On devrait aussi avoir la présence de Cédric Ludovic depuis le Canada. Cédric Ludovic depuis le Canada qui doit être avec nous ce soir. Il ne devrait pas tarder à décrocher. Et on a la présence, on a parlé de Mopo du côté du Cameroun, mais on a la présence de Willy depuis Douala qui doit être dispo. Il nous a envoyé un petit message. Willy qui devrait te positionner tout à l'heure sur le parquet. C'est en train de sonner. On va vérifier le temps qu'il décroche pour l'introduire. Alors Willy qui a décroché. Willy, est-ce que tu m'entends? Oui. Bienvenue Willy. Willy Tenadjang, hein, faut préciser. Hein. Alors le A, j'ai jamais maîtrisé le A du nom. Le A correspond à quoi? Le A. Hein? Le A. Le A, c'est Armstrong. Ah, Willy Armstrong Tenadjang. Comme Lance Armstrong. Ok. Non, c'est bon à savoir, hein, parce que je voyais toujours A, mais je ne savais pas comment le nommer. Je le tâche voilà, donc ça. Non, c'est bon à savoir. Hein, ça fait quand même un moment que tu es sur le parquet. Il faut quand même que... Je sais que madame surveille bien le dossier, mais bon, tu sais, bon, on a des auditrices qui écoutent les choses. Donc Willy Armstrong Tenadjang hein, sur le parquet de la radio. On va pas vous donner ses coordonnées hein, ça se passe pas comme ça sur le parquet. D'ailleurs je ne pense pas que sa dame serait d'accord. On va garder encore quelques secrets sur le parquet de la radio. C'est comment Willy? En pause mon frère. Ça va, en pause. Ok, j'ai à Boya. Super. Tu es du côté de Boya maintenant? Non, je suis allé juste pour quelques jours. Ah, mais c'est bon à savoir si tu es du côté du Boya. Tu sais, ça nous permet aussi de faire découvrir le 237 aux auditeurs qui ne sont pas du Cameroun. Hein. Tu sais qu'on est écouté aussi de la grande diaspora africaine, pour ne pas préciser. On a aussi des Européens, des Asiatiques qui nous écoutent. Donc du côté de Boya, c'est quoi le temps en ce moment du côté de Boya en ce moment? C'est quoi le temps là-bas? Il fait extrêmement froid. On est pratiquement à 19 degrés. Donc... Oh. Que oh là là. Temps, en fait, une fraîcheur terrible.
Il fait frais. Bon, je sais que de votre côté, 19 degrés, c'est carrément l'été, mais bon, chez nous, c'est chaud. Oui, ça fait quand même un peu frais du côté de Boya. Ok, super. De toute façon, on t'entend très, très bien. Hein. Tu es très, très bien. Tu as une très, très bonne connexion. Ok, c'est une très, très bonne chose. Allez, on va enchaîner avec le programme de ce soir, le match des auditeurs. Mesdames et messieurs, vous en avez l'habitude sur le parquet de la radio. Une émission pendant laquelle on cherche toutes les raisons du monde pour vous piquer au vif. Et on commence toujours la semaine comme ça. On essaie de trouver des raisons suffisantes pour vous énerver un petit peu. Alors, malgré le calme apparent de cet été, on va quand même se poser des questions. Hein, même s'il y a toujours des choses à dire concernant la Grande Ligue. Malgré le calme apparent, on va dire le calme en apparence au niveau de la NBA. Mais au niveau des téléphones, ça continue de chauffer. Ça continue de chauffer, surtout pour ce qui est du dossier Kyrie. De ces Kyrie Irving qui continue de faire chauffer les téléphones. Alors, on va se poser la question, on va parler de ce dossier pendant le match des auditeurs, mais on va surtout se poser quelques questions sur le futur des Cavs, parce qu'il y a quand même certaines incertitudes par rapport au futur de cette franchise. On va se poser la question, c'est une question qui va probablement un peu titiller les oreilles de mon frère Willy. Hein, LeBron James va-t-il détruire le futur des Cavs? Voici la question pour le match des auditeurs. LeBron James va-t-il détruire le futur des Cavs? Hein, Dean. Ouais, très intéressant. C'est une bonne question, non? Ouais, en effet. On va se poser la question, comment ça va se passer pour le futur des Cavs, parce qu'il y a tellement d'incertitudes par rapport à la position de ces joueurs. On refera le détail sur les tours dernières embranchements de ce dossier Kyrie, qui est bien entendu en relation avec le dossier LeBron James, en relation avec le dossier Cavs, etc. Tout ça c'est lié, tout ça c'est lié. Donc on fera un point là-dessus, parce que ce serait quand même dommage de retrouver une équipe de Cavs qui perd tout, hein. Les arbitres les ont aidés à éviter le sou en finale. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est... Willy, tu dis quoi? Aïe, j'ai un peu la connexion de Willy qui dérange un peu. Mais j'ai entendu le mot objectif. Il a peut-être posé la question pourquoi j'ai l'impression que quelque chose n'est pas objectif. Tu peux répéter, Willy, essaie de répéter pour voir. La connexion ne passait pas. Alors, Willy qui a quelques petits soucis avec sa connexion, c'est les choses qui arrivent. On va, de toutes les façons, Willy qui reste connecté, on va avoir Dimitri tout à l'heure et Cédric qui va nous rejoindre. Willy, tu es là? Vas-y, répète ce que tu as dit tout à l'heure. Les arbitres, c'est... Comment il peut parler d'arbitres là, mais non. Il dit que les arbitres... Willy qui parle des arbitres, vous avez un peu entendu ce qu'il dit. Il a quelques petits soucis avec sa connexion, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Willy qui va pouvoir s'exprimer tout à l'heure. Hein. Ça arrive parfois de temps en temps. Donc, je parlais du dossier des Cavs. Hein. On va un peu faire le point là-dessus. On va se poser la question, est-ce que LeBron James est en train de détruire franchement le futur de cette franchise qui a quand même brillé, qui a quand même marqué de la NBA de son empreinte sur les 7 dernières années, hein, il faut quand même le dire, hein, c'est pas rien, même si la dominance des Cavs a été entrecoupée par le départ de LeBron James pour le Heat, hein, les Cavs qui risquent de se retrouver comme une certaine... Ils peuvent se retrouver dans la même situation qu'une équipe comme une équipe des Sixers. On peut les trouver à tanker d'ici 2 ans et tout. Donc, ce serait quand même assez bizarre. Bon, bref, on va regarder ce dossier-là. Et bien entendu, on va parler des toutes dernières infos de l'NBA. Il y a un deuxième dossier très important qu'on va partager ensemble. C'est le nouveau calendrier NBA. Alors, le nouveau calendrier NBA, on va rentrer en détail, hein, parce qu'il y a beaucoup de changements concernant ce calendrier. Si vous êtes au fait de ce qui va se passer à partir de la saison prochaine, ce sera l'occasion de revenir dessus. Par contre, s'il y a certains détails qui vous a
échappé concernant les nouveaux éléments de ce nouveau calendrier concernant la NBA. C'est l'occasion de rester avec nous sur le parquet de Radio. On va faire le point sur tout ça ensemble, sur ce nouveau calendrier NBA. On va rentrer dans les détails des nouveautés, hein, on va dire ça comme ça, et ça nous permettra d'en savoir un peu plus. Ça nous permettra d'en savoir un peu plus. Donc voilà pour les deux gros dossiers de cette soirée, le nouveau calendrier NBA et le match des auditeurs avec le futur très très hypothétique des Cavs de Cleveland. Allez, avant d'enchaîner avec les préalables, on a notre frère Dimitri depuis Londres qui a décroché. Dimitri, est-ce que tu m'entends? Ouais, je suis là, ouais, j'entends. Bienvenue Dimitri sur le parquet de la radio. Merci. C'est quoi mon frère? Ça va bien, merci. Et bonsoir à toute la famille basket. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dimitri. Très très heureux de t'avoir sur le parquet de la radio. Donc il y a Eddy qui est là avec nous depuis OKC. Et on avait Willy avec nous. Willy qui est en train de se reconnecter. Là, il a quelques petits soucis. Il est en train de se connecter. Hein. Ok. Et bien entendu, on aura la présence de Cédric depuis le Canada qui devrait nous rejoindre. Willy, tu es là. Est-ce que c'est... ça a l'air bon, Willy? Oui, c'est bon. Ça a l'air bon, ça a l'air mieux. Hein. Est-ce que tu peux alors dire ce que tu disais tout à l'heure? Tu disais que Eddy parlait d'arbitre, il parlait de quoi? Oui, je disais comment Eddy n'est pas objectif, parce que comment est-ce qu'il peut dire que les arbitres ont empêché un sweep alors qu'on a vu ce qui s'est passé lors du Game 3? Quand même, un qui a 41 points, l'autre qui a 39 points, l'équipe qui tourne la balle parfaitement. Et pour moi, c'était le meilleur match de l'histoire des Cavs, carrément même. Ça c'est sûr et certain. On ne te démentira pas sur le parquet de la radio. Allez, on va. Eddy, tu voulais répondre, tu dis quoi, Eddy? Oui, parce que je n'ai même pas vraiment parlé du fond en compte, j'ai juste sifflé ça, j'ai sifflé. Ça, c'est... Mais tu connais Willy, tu sais qu'il lui suffit, d'un petit souffle pour que ça devienne un ouragan. Il sait combien il peut le provoquer un petit peu. Bien sûr. Moi, ça me fait plaisir hein, quand il te provoque un peu. Ça donne un peu de piquant à l'émission. Allez, on va enchaîner avec quelques secondes, de préalable pour les nouveaux auditeurs. Ça va permettre aux nouveaux auditeurs de se calibrer avec les habitudes de la radio, savoir comment nous connecter, comment participer, comment réagir pendant le direct live. Et après, on redémarrera avec moins d'une seconde de publicité, puisqu'on a, on rappelle, hein, le partenariat NBA, mais on a aussi le partenariat avec Nike. Il y a la nouvelle Kobe qui vient de sortir, hein, on est un peu obligé d'en parler aussi sur le parquet de la radio. Willy qui est en train de rigoler là. En attendant la nouvelle LeBron, c'est la nouvelle Kobe qui vient de sortir, on est obligé de faire la publicité. Hein, Willy? Mais bien évidemment. En fait, je ris de plus parce que tous ceux qui sont dans le groupe, ils comprennent pourquoi je ris. La Kobe Adidas, bien sûr. L'ancienne Kobe Adidas. Non, c'est pas la Kobe Adidas, c'est la Kobe AD. Hein. Vous avez dû voir cette Kobe qui vient de sortir avec toutes des couleurs impossibles et inimaginables concernant l'aspect psychologique de tout ça, la Mamba mentality et consort. Bref, vous allez suivre la publicité dans quelques secondes et puis on revient pour enchaîner avec le direct. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740
570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Paraquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Paraquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Mamba mentality is a constant quest to find answers. It's that infinite curiosity to want to be better, to figure things out. Mamba mentality is, you know, you're going, you're competing. You're not worried about the end result. You're not worried about what people may say. You're not worried about disappointing others. You're not worried about any of that. You're just focused on being in the moment. You know, that's what Mamba mentality truly is. With Mamba mentality, color is a good visual representation that connects certain emotions. I try to look at five attributes that you need to improve and to propel yourself forward. It's an understanding of, do you see yourself through this color? How do you interpret this color? And it may be different for everyone. And I think that's what's important for us to do color theory. Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James. You know, they just have a constant curiosity about learning the game, about figuring the game out, and how can they take the game to another level. Their constant quest to improve is a true embodiment of Mamba mentality. I mean, the most important thing is to have that thirst for knowledge and that thirst to get better. Vous êtes bien sur Radio Off Paraquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Fires a long one. Oh! He's done it again. Every exciting matchup. Punch it in. Every incredible shot. Every big moment, every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Sign up today. All right, come on, it's game time. Let's do this. Here we go. Here they come. This is gonna be good. Watch out for the crossover. Look at that handle. That's what I'm talking about. He wants to go right. Post him left. Take him down. Watch your back. Setting him up. He's gonna spin. Time out. Nobody panic. What do you got, baby? Gotta go. I can't watch this. 5, 4, 3, 2, 1. Take the action with you. NBA League Pass. 5 games wherever you are. Vous êtes bien sur Radio Off Paraquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez, c'est parti les amis. Je ne les attendais pas, hein. Mais ils ont souvent des réactions qui nous font tordre de rire sur le parquet de la radio. Allez, on démarre, on enchaîne avec le talk show. Vous avez reconnu la petite musique de fond, le Twitter NBA Show. On fait le point sur les toutes dernières infos en provenance de la NBA dans la bonne humeur. Alors, on va commencer par une info. Ça, c'est le genre d'info que j'aime partager avec Dimitri. Hein. Il va me comprendre. Dimitri, lui, c'est le spécialiste le spécialiste. C'est ce genre de commentaires. Hein, Dimitri? Oh, hein, je sais pas pourquoi les gars arrivent déjà en forme, mais bon. En forme. Alors Dimitri, je te lis l'info. Alors ça ne concerne pas de la NBA, ça concerne
c'est en relation avec du basket, mais ça ne concerne pas la NBA, ça c'est certain. Mais ça concerne quand même le basket. C'est une info comme ça que j'ai trouvé et j'ai trouvé très très intéressant de la partager avec nos auditeurs et surtout très intéressante que tu la commandes. Alors ça concerne les braquages, hein, ça concerne les braquages puisque les braqueurs ne sont plus des spécialistes en bijoux, ce sont maintenant des spécialistes en basket, hein, des spécialistes en sneakers. Les braqueurs, puisque c'est quel média qui nous a donné l'info, puisqu'il y a eu un braquage qui s'est déroulé non loin de Los Angeles du côté de Torrance, c'était le 6 août dernier. C'était un camion, hein, qui contenait pas moins $1 million en basket, hein, avec des modèles hommes et femmes à l'intérieur de ce camion. La police a bien entendu retrouvé le camion quelques jours plus tard, mais il était bien entendu totalement vide, et selon ABC News, un indice aurait cependant mis les enquêteurs sur la piste d'une entreprise située à El Monte, où ils auraient pu retrouver l'essentiel de la cargaison pour environ $900,000 de chaussures. Mais les voleurs sont toujours dans les Sisongo, comme on dit au Cameroun, hein, pour ceux qui ne savent pas les Sisongo. Les voleurs qui sont toujours dans les Sisongo, ils courent toujours, hein, donc l'enquête qui continue à se poursuivre. Hein. Dimitri, les chaussures qui ont maintenant plus de valeur que les chaussures de basket, plus de valeur que l'argent ou les bijoux. Ouais, c'est quand on regarde la valeur que les sneakers ou bien les baskets ont pris ces dernières années, c'est vrai. On peut comprendre pourquoi. Les baskets font pratiquement $200, les Jordan, les LeBron, c'est exorbitant. Les mecs ont le courage de vendre, de braquer un fourgon de baskets, mais pour laisser une valeur derrière de $900,000 en basket, en tennis. Je me demande dans quel est le but. Est-ce qu'ils vont porter les baskets? Est-ce qu'ils vont les revendre à qui? Je comprends pas. C'est vrai qu'on a pas expliqué là, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'un mec va se lever et voler une cargaison de baskets. Près d'un million de dollars en valeur, c'est pas mal quand même. Il va les redistribuer, les gardes, les quartiers défavorisés, ou bien c'est un mec qui marchait pieds nus toute sa vie, je ne sais pas. Mais avant que Willy enchaîne là-dessus, tu sais Dimitri, je reviens sur le cas par exemple des Jordan, hein. Tu sais que les Jordan aux États-Unis, on entend souvent les commentaires de Mopo par rapport à la valeur de ces chaussures là-bas. Il y en a qui sont prêts à tuer pour ces chaussures, par exemple, Dimitri. Oui. On voit comment l'importance que les mecs accordent à ça. En même temps, Jordan, ils sortent des nouveaux modèles tout le temps, avec des prix exorbitants. Les mecs, c'est fashion d'avoir ça. Je comprends aussi. Mais bon, c'est vrai que ce n'est plus comme à une certaine époque, hein, parce que je me souviens, moi, quand dans les années, dans mon temps, hein, mon temps, c'est quoi? C'est les années 90. Les baskets, une fois, plus elles étaient belles, plus on était fiers de les gratter sur le goudron, on va dire ça comme ça, c'est dans sur les playgrounds. Mais ce n'est plus ça, hein, Dimitri. Maintenant, quand tu as ta nouvelle pompe en or et tout, tu veux plus qu'on la touche, hein, hein, Dimitri? Tu veux plus qu'on la touche, car après, le mec met ça dans son placard, c'est plus d'art. C'est devenu des œuvres d'art, exactement. Willy, comment tu réagis à ça? En fait, je voulais dire, pour moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que non seulement lorsqu'on regarde ces chaussures, pour ceux, nous, on n'a pas besoin d'être aux États-Unis, mais rien qu'à travers les documentaires, on voit comment les chaussures des stars d'NBA sont prisées. Comme Dimitri l'a tantôt dit, certains sont prêts à tuer pour avoir ça. C'est très facile à écouler, contrairement aux bijoux. C'est beaucoup plus facile. Donc pour moi, ça m'étonne pas. Oui, ça m'étonne pas qu'il y a des gens qui voient. Parce que j'ai une petite anecdote. J'ai un pote à Dallas. Vas-y. Il était parti pour un camp de Jordan. Il a reçu des chaussures. En même propre, oui. Il a reçu des chaussures signées par Jordan. Et le gars, lorsqu'il arrive maintenant, il sort du camp un peu en rentrant la nuit. Il avait son iPhone sur lui, son laptop, tout. Mais le voleur voulait ses chaussures. C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait juste les baskets. Il avait et la voiture et le iPhone et tout, mais le voleur voulait juste ses baskets. Il a pris ses parties. Donc vous voyez un peu
C'est un peu ça, les gars, ils adulent ça. Et moi-même, personnellement, dès que mes LeBron, là, je ne les porte pas pour jouer avec, jamais. C'est quelque part dans mon placard. Moi je sais pas comment ils font. Hein. Moi j'arriverai pas. Moi quand j'ai une basket, c'est pour aller les frotter sur les boutons. Les choses ont changé. Si tu connais nos terrains ici, oui, c'est vrai. Là-bas, même pas deux jours, ça disparaît. C'est vrai. Ça disparaît. C'est dans tous les sens du terme. On peut te les voler même sur tes pieds. Parce que les gars sont très forts. C'est vrai. C'est pas faux. Allez, on va accueillir Cédric depuis le Canada sur le parquet. Cédric, est-ce que tu m'entends? Oui. Bienvenue Cédric, Ludovic sur le parquet de la radio. C'est quoi mon frère? Ah, ça va. J'espère que vous aussi ça va. Hein. Salut à tous les auditeurs. Déjà. On est là en pause, mon frère. On est très heureux de te savoir sur le parquet de la radio. Toi, tu n'as pas de basket. Qui donne envie d'être volé, toi, Cédric? On est tous à la Réunion, non? Tu sais, quand on parle de basket, il y a une seule personne, hein, c'est Michael Jordan. Même le bébé qui vient de naître, les gars avaient porté les Jordan. Les gars ont vendu le rêve. Ça c'est sûr. Vas-y, Cédric. C'est toute une culture, parce que je vous ai entendu parler tantôt, oui, là. Mais autour de la chaussure de Michael Jordan, c'est toute une culture. Tu comprends pas. Il y a des gars qui savent même rien du basket. Mais quand il va, comme dans les corner shops, la première des choses qu'il regarde d'abord, c'est les chaussures de Michael Jordan. Les jeans. Les chaussures de Michael Jordan. Justement, gars, on a même pas que c'est le truc de Nike, hein. Justement, on a Eddie qui est là depuis OKC. Alors, Eddie? Oui, encore plus. Eddie, on parlait des braqueurs à la sneakers, hein, pour ne pas dire les braqueurs à l'italienne. C'est ça la mode maintenant. On parlait souvent du côté des États-Unis avec l'influence qu'ont les Jordan aujourd'hui, des gens prêts à tuer pour avoir des Jordan. Tu le ressens aussi souvent du côté d'OKC, l'impact de... Non, mais j'ai des connaissances qui ont été en Californie, par exemple, où là-bas, tu marches en route, on t'agresse carrément, hein. On te dit petit frère, ta chaussure là est mou, ça brille. Tu as combien pour ta chaussure? Maintenant, si tu veux récupérer, il faut lui donner de l'argent. Il faut, oui. C'est exactement comme les grands frères qui nous menaçaient à l'époque. C'est la même tactique finalement. Les gars, les Jordan, ça se passe toujours. On entend parler comme ça, ça me refait penser aux vieilles époques où vraiment quand tu te pointais, Eddie, j'en profite pour te raconter un peu mes petits trucs, hein, tu te rappelles, enfin à l'époque au lycée, hein, quand tu te pointais avec une nouvelle basket, tu sais, hein. Il y avait toujours un fort qui était toujours dans les secteurs là où les jeunes vont toujours manger à midi, là, quand tu vas prendre ton pain ou ton petit jus, là, il y a toujours un faux avec le gros biceps là qui attend les petits frères qui sortent des classes. et tu sais que le lundi, quand tu avais ta chaussure fraîchement, ta fraîche Jordan qui sortait du, que tu venais d'acheter, que ça venait de France ou du marché, quel que soit l'endroit où ça venait, quand tu arrivais au lycée avec ta chaussure gnang et tout, à midi, à la pause, dès que tu allais manger, tu vois un fort là qui dit, mes petits frères, enlève un peu un pied là, tu me donnes un peu, je regarde, non, dis donc. Ah, là, tu enlèves un pied. Tu enlèves la chaussure. Tu enlèves un pied de chaussure, n'est-ce pas? Quand tu enlèves un pied, tu peux plus marcher avec un autre pied. Il dit que bac à la pelle, non? Que bac. Oui, il dit, donne-moi
donne-moi la balle au pied, donne-moi la balle au pied. Après, une fois que j'ai l'autre pied, il dit petit frère, tu sais quoi, rentre d'abord à la maison tranquillement. Ah, voilà, des petites anecdotes comme ça. Je pense que les choses ont beaucoup changé. Hein, Willy, ça doit être toujours comme non, ça, non? Non, c'est toujours comme ça. C'est non, toujours comme ça. Oui, parce que moi, en fait, j'étais à l'internat carrément. Ouais. Et à l'internat, j'étais un très grand fan de Jordan. Mmh. Et en fait, tous les petits qui étaient dans l'équipe de basket qui avaient des Jordan, vous devriez payer au plus grand. C'est-à-dire qu'il y avait une taxe que vous payez pour pouvoir garder ces Jordan. Oui, c'était de 2000 francs par semaine. Ouais. Oui, 2000 francs. Oui, parce qu'on aimait bien venir à l'entraînement avec. Vous payez 2000 francs assez grand comme ça, personne ne peut vous taxer vos chaussures. C'était un peu comme ça. Donc, jusqu'à présent, ça n'a pas changé. C'est la même chose. Quand vous parlez dans le quartier, on vous dit, petit, tu as combien pour ta chaussure? Moi, on m'a déjà fait ça, mais les bonnes, là, j'ai dépensé 10 000 pour les garder. Une fois. Tu as senti les dos. J'ai même pas hésité. Si demandait même 20, je sortais 20, je donnais. Je n'ai même pas hésité. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. On partage quelques anecdotes comme ça et ça reste toujours en relation avec l'actualité. Hein. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Allez, on va enchaîner. On va après cette franche session de rigolade, on va un peu parler de quelque chose d'assez sérieux. Quoi qu'on va aussi rigoler un peu. Je crois qu'on va aussi rigoler dans cette news puisqu'il y a quelques détails qui vont intéresser Dimitri hein, dans cette info. Hein, Dimitri. Dimitri, on va parler du calendrier NBA hein, pour la saison prochaine. Je crois que ça va t'intéresser. On va parler des nouveautés de ce calendrier et dans ces nouveautés, il y a des détails qui vont vous intéresser tous. Hein. On va les partager tous ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, on attaque donc les éléments clés hein, qui doivent vous pousser à vraiment rester connecté sur cette nouvelle saison. Du côté de la Ligue, alors la première chose à savoir concernant la globalité du changement hein, de ce calendrier nouvelle 2017-2018, ce qu'il faut savoir c'est que la NBA a quand même fait de gros efforts hein, pour permettre de raccourcir la saison et de permettre aussi aux joueurs de se reposer. Hein. Je pense aussi que l'objectif principal de ce... D'ailleurs, vous me donnerez votre avis après, lorsque j'aurai terminé mon petit dossier. Je pense que l'un des gros objectifs de ce changement de calendrier, mais c'est surtout pour garantir la présence des stars NBA, des franchise players hein, pendant les grosses rencontres hein, sur les chaînes nationales. Je crois que ça aussi, c'est l'un des impacts sur lesquels Adam Silver souhaitait vivement qu'il y ait un changement. D'ailleurs, les choses n'ont pas tardé. Il y a beaucoup de choses qui devraient évoluer en NBA, mais ça a changé à une vitesse terrible. Hein. Donc, on va rentrer dans les détails de ce nouveau calendrier. La première chose à préciser, c'est qu'il n'y aura plus de 4 matchs pour 5 nuits hein. Ça c'est quelque chose qui c'est la première fois que ça arrive. Il n'y aura plus de 4 matchs pour 5 nuits. Ça veut dire qu'en moyenne on aura en moyenne 3 matchs hein. Il faut disons les choses comme ça, on aura en moyenne 3 matchs pour 5 jours hein. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Donc ça peut garantir ça va normalement apporter un peu plus de repos pour les joueurs. Pour entrer un peu en détail dans ce petit changement, on va rappeler qu'il y a 3 ans, il y avait encore 70 phases de ce genre dans le calendrier NBA contre 27. Il y a encore 2 ans et 20 l'an passé. Et au niveau des back-to-back, la Ligue a également essayé de les limiter au maximum en réduisant leur nombre de 57 par rapport à la saison dernière. Chaque équipe en jouant 14,4 en moyenne. Donc l'an passé, cette moyenne atteignait 16,3 et elle était de 19,3 il y a encore 3 ans. En contrepartie, on aura donc des meilleurs temps de repos. La NBA réclame donc que les coachs ne reposent plus les stars, les franchise players lors des grosses affiches. Donc la Ligue a d'ailleurs protégé, hein, avec entre parenthèses protégé, ça veut dire que les conditions de ces matchs seront vraiment scrutées pour que les franchise players participent à ces matchs
de façon absolue. Hein. Il n'y aura pas d'excuse. La seule excuse sera vraiment que la santé des franchise players soit vraiment pose vraiment problème. C'est le seul cas qui leur permettrait de ne pas jouer. Mais ils appellent maintenant ces matchs protégés. Hein. C'est des matchs protégés. Donc la NBA, ils ont vraiment pas envie de perdre de l'argent là-dessus. Hein. Donc il y aura un peu moins de matchs pour les semaines. Voilà, un peu moins de matchs par semaine. Une deuxième précision à ajouter. C'est mieux quand on commande chaque élément ensemble, comme ça on sera fixé sur le truc. Hein. Je crois que c'est mieux comme ça. Parce que si je parle de tout une fois, vous serez un peu perdu. Dimitri, comment tu réagis? Moins de matchs, déjà 3 matchs en moyenne pour 5 jours. Comment tu réagis, Dimitri, par rapport à ça? Ouais, c'est bien. Au moins, quand les gars vont arriver en finale, une équipe va se perdre que les autres ont plus de pression que d'autres joueurs. Le Bronx n'aura plus d'excuses pour pouvoir rester devant et décider de continuer. Voilà quoi. Maintenant, lui a de l'opportunité de jouer, de se reposer en semaine, de faire ce qu'il veut. Il aura l'opportunité de faire des selfies, d'aller chanter autant qu'il veut et de revenir au terrain. Tu veux dire qu'il va chanter sa chanson favorite, Nobody can beat me, I will never lose, merci Willy, tu m'as rappelé le titre de la chanson. Les mecs ont l'opportunité de se reposer, ils vont plus se faire du jeu trop de matchs. Je pense que la Ligue a fait des efforts pour LeBron James parce qu'il se plaignait que voilà, il joue trop de matchs, le mec a besoin de se reposer. Après avoir perdu ses premiers tours d'année, voilà. On va écouter Willy sur la news et après on va passer à Eddie et Cédric. Willy, est-ce que tu peux voir pour tes écouteurs s'il te plaît? Je crois qu'il y a un petit son qui ressort là. Désolé, c'est bon. Oui. Ah, Willy, 3 matchs en moyenne sur 5 nuits, comment tu réagis à ça? Est-ce qu'on peut appeler cette règle pour ce qu'elle est vraiment? On appelle cette règle, c'est le LeBron Rule. Je pense Eddie, quand je vais dire Colin Coward, Eddie va me dire non, c'est un gars qui a LeBron dans la tête, oui, ce genre de truc. Mais cette règle s'appelle le LeBron Rule. On le sait tous. Tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire. C'est pas comme si LeBron. Je tiens à rappeler que LeBron a manqué que 7 matchs en saison régulière. Oui. 7 matchs. Beaucoup plus de stars, dont Steph a joué carrément 4 matchs de plus. Kevin a joué dans les 60. Willy, pourquoi tu continues sur ce que tu es en train de dire? 7 matchs manqués par LeBron James, on peut quand même calculer le manque à gagner. Hein. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, certes. Mais le truc, c'est que c'est quelque chose qui se fait dans la ligue depuis. Mais subitement, parce que LeBron le fait maintenant, ça devient un problème. 7 matchs, c'est énorme. Je pense que 7 matchs que LeBron a manqué, l'argent qu'il a fait perdre, je crois que je peux m'asseoir là au pays, je prends cet argent, je vis jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est énormément d'argent qu'il fait perdre. On le sait très bien. Oui, ça peut aller dans les 100 millions, c'est qu'il fait perdre. Rien que ces 7 matchs qui manquent, ça c'est énormément d'argent. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi la Ligue essaie constamment de le verrouiller. Quand il va vouloir manquer ses matchs, il va manquer et personne ne va rien dire. Ça, c'est un fait. On le sait tous. Parce qu'il n'est pas programmé pour suivre les règles comme certaines personnes. Ça, c'est une faute. Ça, c'est une raison pour laquelle beaucoup de gens le détestent. Maintenant, lorsqu'on prend ça dans sa globalité, c'est extrêmement bien même. Parce que les back-to-back, ça a mis, c'est-à-dire, j'ai suivi un documentaire sur des gars qui font la rééducation des joueurs en NBA. Oui. Ils ont dit que les back-to-back là sont en relation avec au moins 70% des blessures des joueurs. Ça veut dire lorsqu'on limite ces back-to-back là, oui, ça permet au moins aux joueurs quand même de se reposer parce que c'est extrêmement... Voilà. Il y aura moins de back-to-back, c'est bien de le préciser aussi, oui. Parce que quand je jouais ici au championnat, on jouait un match tous les 2, tous les 3 jours, mais croyez-moi, vous jouez un match aujourd'hui, même si on vous laisse encore 5 jours, le corps n'a pas complètement récupéré. Lorsque vous voyez un joueur qui joue un match maintenant, demain, il ne se repose même pas directement, il prend l'avion pour aller dans un autre état, carrément pour jouer, pour voyager. Mais ça, c'est ça tue le corps. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que la NBA fait ça. Mais qu'on appelle cette règle pour ce que c'est le LeBron Rule, c'est tout.
C'est du LeBron Rose. Et je crois qu'il y aura d'autres éléments qui pourraient aller dans ce sens. Je suis sûr qu'on va, on va sûrement avoir d'autres, nos panélistes qui seront d'accord avec moi. Eddie, comment tu réagis à ce changement? Déjà à ce changement là, précisément. Comment tu réagis cela? Moins de matchs, moins de back-to-back. 3 matchs en moyenne pour 5 nuits. Comment tu réagis à tout ça? Bon, ce que je pense, je voulais d'abord dire par rapport à ce que Will a dit tout à l'heure. Oui, vas-y. Oui, c'est vrai que Colin Cowherd a dit ça parce que c'est un fan de LeBron. Mm-hmm. Il appelle ça LeBron Rose. C'est vrai que c'est ça. Mm-hmm. Mais, bon, revenant maintenant sur la règle, je pense que, bon, quelque part, c'est dommage qu'on arrive à ce point parce que je pense que l'aspect business oui. qui a été injecté dans le sport mm-hmm. a beaucoup, en fait, parce que les joueurs vraiment préfèrent se préserver, ils préfèrent se concentrer sur l'argent. Mmh. Autre chose. Mmh. Tu vois, dans les années 80-90, oui. les gars, c'était même beaucoup plus physique. Le basket était beaucoup plus physique que de nos jours. Il y avait même des back-to-back. Ça jouait plus agressif, c'était plus violent et tout et tout. Mmh. Mais les gars, ouais, les gars ne se plaignaient pas que oh, il faut qu'on se repose et tout. Mmh. Mais de nos jours, avec toute la technologie et tout ce et toutes les techniques, les nouvelles techniques de suivi des joueurs et tout, je sais pas, c'est comme si l'alimentation des joueurs y est pour... Moi, je pense que les joueurs devraient plutôt regarder au niveau de l'alimentation parce que je pense que les nourritures d'ingénierie, les nourritures travaillées et tout ça, ça peut avoir un impact aussi sur le corps. Mm-hmm. Et quand on voit un joueur comme LeBron James, par exemple, un joueur, c'est quelqu'un qui sait très très bien prendre soin de son corps. Oui, oui, c'est pour ça que, voilà, après autant d'années, il n'est pas de blessures graves. Parce mm-hmm. qu'il vraiment, il fait très attention à ce qu'il mange et tout. Mm-hmm. Et autres. Mm-hmm. Oui, donc, moi, je pense quelque part, il peut avoir d'autres aspects que les athlètes devaient observer, à part les back-to-back night et autres et autres. Mm-hmm. Il y a des joueurs en NBA qui rêveraient même de jouer. Ils veulent avoir le temps de jeu, ils veulent jouer. Mm-hmm. Mm-hmm. Ce qui fait que, bon, et si la majorité de ces stars disent que bon, voilà, nous ne voulons plus des back-to-back ainsi. Mm-hmm. Bon, la ligue peut faire, c'est surtout qui génère de l'argent. La ligue va tout simplement ajuster. Ils vont ajuster, oui. Pour notre personnel, je me dis, bon, voilà. C'est un peu dommage pour toi. Tu trouves que c'est dommage? Je ne pense pas que ce sont dus au match, parce que c'était les matchs. Mm-hmm. C'était ça la raison. Les joueurs des années 80-90 se seraient autant blessés. Mais ce n'était pas le cas. Mm-hmm. Ils étaient même plus physiques par rapport qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, je me dis qu'il doit y avoir autre chose qui cause ces blessures. Oui. Et bon, voilà, ben, si les joueurs, la NBA n'a pas le choix, elle doit accepter de suivre ce que les joueurs veulent. Mmh, c'est vrai. Et autres. Effectivement. Allez, avant de faire la passe à Cédric, on va accueillir nos panélistes sur le parquet. On va commencer par aller du côté de Sacramento pour accueillir Aurélien. Aurélien Biwala. Ouais. Bienvenue Aurélien. C'est ça l'homme qui a retrouvé Emmanuel Boutchéki. Bienvenue Aurélien sur le parquet de la radio. Bienvenue Aurélien. Bonsoir Philippe. Salut. En pause. Tu as une ovation. Je crois que si Simon écoute la radio, il va être jaloux. Hein. Ah non, tu sais, les trois, ils n'ont pas la même taille. Donc, Ouais, on envoie notre big up au DocNP. Le DocNP, c'est ceux qui sont en train d'écouter là. Il doit commencer à s'énerver là. Il va sûrement appeler à cause de toi. Alors qu'il est en train de travailler. Je lui ai demandé de m'envoyer son adresse. Je lui envoie un autographe depuis. Bon, il perd le temps. Je ne sais pas ce qu'il veut. En tout cas, on est très heureux de t'avoir avec nous sur le parquet, Aurélien. Bonne semaine, bon début de semaine pour toi. Ok. On va aller du côté de Monde la Julie en France pour accueillir Abou Gaï sur le parquet de la radio. Bienvenue, Abou. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Mais attends, c'est pas Missikon va qui. Oh, à bout. Tu en profites, tu me fais une passe, comme ça on envoie un gros big up à Missy depuis Paris, qui n'est pas avec nous ce soir. Elle est sûrement occupée, tu sais, il y a aussi la vie personnelle, professionnelle qui est en train de jouer, mon frère.
En profitant, on envoie un gros big up à Missy. Missy, on t'envoie un big up. Yeah, tu manques à Cédric, hein. Ouais, normalement, ouais. Normalement. Missy est pas là, ça va aller dans tous les sens. Ouais. Alors, Abou, comment tu vas, mon frère? Bon début de semaine pour toi. Ouais, bon début de semaine, là, bon, là, je sors d'un petit baptême, mais ça va, ça va, ça va. Ok, super, super, super. Donc, tu restes connecté. Alors, pour les joueurs du banc, on va dire ça comme ça, puisque vous êtes des joueurs en sortie de banc, hein, même si vous êtes quand même des joueurs clés, hein, des sixièmes hommes et tout, hein, à vous. Peut-être même le septième joueur. Sixième et septième joueur. C'est le septième joueur qui sort du banc, qui met le panier décisif. Voilà. Oui, oui. Il y a joué avec le Mamba Mentality. Le Mamba Mentality. Alors, pour le match de ce soir, on va rester sur l'actu. Hein. On va rester sur l'actu. On va se poser la question. La question va intéresser Biwole. La question est-ce que LeBron James est en train de détruire le futur des Cavs? Hein, Aurélien, ça va t'intéresser, non? Je lave d'abord. Tu lave d'abord. Si, tu vois, j'étais pas le seul à lave. Lui aussi, il la rigole. Allez, on va enchaîner. Cédric Ludovic. On enchaîne, on fait la passe. On va faire la passe aux autres, bien entendu, au courant de l'émission. Cédric. Oui, Phil. Cédric, on est en train de faire le point. Je rappelle aux auditeurs, aux panélistes qui viennent d'arriver. On est en train de faire le point sur les nouveautés de ce calendrier. Hein, et on était en train de commenter sur il y aura donc moins de matchs en semaine. Donc 3 matchs en moyenne pour 5 nuits. Donc plus de repos pour les franchise players. 22 matchs hyper protégé pour ce qui est de la ligue. Donc plus d'excuses pour les franchise players qui sont obligés de jouer. Cédric, comment tu réagis déjà à cette première partie de ce nouveau calendrier? Qu'est-ce que je vais ajouter à tout ce qui est grandi? Bon, c'est de l'innovation, hein, parce que c'est de l'innovation. En même temps, si tu as bien regardé, un gars qui a regardé les finales NBA. Même Green l'a dit, hein, LeBron James, match 3, à partir du 3e quart-temps, il était comme un fantôme au terrain, hein, le gars resterait comme un bœuf. Donc, ces choses peuvent arriver, de repos à LeBron James, c'est bon pour moi. C'est bon pour ça, ouais. Mais maintenant, moi, je pense que c'est plutôt une affaire de business. Il y a plusieurs sports majeurs aux États-Unis. Consacrer toute une soirée à regarder que la NBA, pourtant tu as des matchs aussi de NFL que tu dois regarder ou de NHL que d'autres doivent regarder. C'est soit difficile, hein. Moi je pense que c'est une question de business aussi, de business sur le plan sportif américain. Maintenant, je trouve aussi que c'est de l'innovation. C'est sûr que ça va être un peu moins intense que dans les années passées, mais bon, on est rendu là, hein. On en est rendu là. Ouais. On ne pense qu'à argent. Mon point de vue, c'est que ça va ajouter beaucoup d'argent dans le sport US. C'est pour ça qu'ils ont pris cette initiative. Cette décision. C'est pour ça qu'ils ont pris cette décision. Mais sinon. On n'a pas le choix. Oui. On va voir ce que ça va donner. Alors, d'autres éléments encore à partager avec eux. Quelqu'un veut réagir? Je voulais réagir sur ce que Eddie a dit par rapport, où il comparait les époques, l'ancien temps et maintenant. Moi, je pense pas que ça a quelque chose à voir avec la nutrition, parce que dans l'ancien temps, on avait des gars qui étaient capables de faire des 20 ans de carrière, mais ils étaient rares. Parce que quand je compte les gars qui ont fait 20 ans de carrière dans les 70, il n'y a que Karim, si je ne me trompe pas. Mais je pense que je suis correct sur ce point. Il n'y a que Karim et à la limite, il y a Shaq. Et on sait tous que vers la 15e année de Shaq, ce n'était plus le même. Il avait énormément de blessures. Mais lorsqu'on compte quelqu'un qui a vraiment fait 20 ans, c'est-à-dire qu'il a duré long en carrière, c'était Karim. Et c'est parce que Karim, lui, il avait... On constate que ce n'est pas une question de nutrition. Maintenant, il se nourrit mieux. Moi, je pense plus que c'est une question de distraction qu'il y a maintenant comparé à l'époque. À l'époque, un joueur était... Il avait juste un téléphone simple. Il n'avait pas un smartphone. Tu veux dire que les gars vont plus en joker qu'avant? Oui. Parce que, regarde, maintenant, les gars vont plus... Non seulement ils vont plus en joker, mais ils ont beaucoup plus de trucs à gérer. Et oui, ils ont énormément... Donc,
quelqu'un est là, vous voyez un basketteur, quelqu'un comme Lillard, il est basketteur, le gars a son album de rap qu'il veut, il fait, voilà, DeMarcus Cousins qui dit maintenant qu'il veut sortir un album d'R&B. Vous voyez un peu ce genre de distraction qu'à l'époque c'était difficile de voir. Bon, c'est pas. Je pense que c'était quand même un peu aussi comme ça avant, puisque tu dois savoir que Shaquille, c'était quand même ça. Shaquille le sait avec beaucoup d'activités extrasportives et je crois que c'est aussi l'une des choses qui l'ont empêché de se donner à plus de 100% dans sa carrière quand même. Willy, termine et après Cédric. Willy, vas-y. Oui. Il y a une composante qu'on néglige énormément, les réseaux sociaux. Moi, oui, c'est vrai. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand moi je travaille, c'est-à-dire quand je suis en train de... Je sais que non, je suis en phase de créativité. Je dois travailler pour faire quelque chose. Moi, les réseaux sociaux, je les panique carrément. C'est-à-dire, je peux faire pratiquement 48 heures sans intervenir. Si moi, je suis sur Facebook la plupart du temps. C'est pour ça que je dis à Phil, je remercie même Phil Post parce que le groupe est privé. Parce que quand je passe sur Facebook, ce n'est que les notifications du groupe que moi, je cherche, c'est tout. Parce qu'il est privé. Et ce que je fais à l'intérieur, ce n'est pas facile de trouver. Mais vous voyez que ces réseaux sociaux, moi, je constate, et beaucoup l'ont, c'est une grosse distraction et une grosse perte de temps et aussi ça fatigue. Ça fatigue, oui. C'est vrai que je prends notre cas ici à la radio. Quand on prépare les émissions, on regarde pas ce qu'il y a sur Facebook, hein. Sinon on n'avance pas. Voilà. Oui, on peut pas. C'est ça. Mais les gens font ça constamment. Je pense que c'est ce concept, c'est pas la nutrition, c'est ce concept réseaux sociaux qui dérange. Parce que lorsqu'on voit les grands allées des anciens temps, les Larry Bird n'a même pas fait 15 ans. Magic a fait 12 ans. MJ a fait 16 ans plein, si on peut le dire comme ça là. Donc quand on voit ces anciens là, on voit qu'ils ne duraient pas, à part les Malone, c'est un surhumain. C'est vrai. C'est pas leur nutrition, c'est le composant réseau social. Cédric, tu voulais dire quoi? Oui, les gars aussi, avant les gars ne commençaient pas à jouer au basket aussi jeune que maintenant, hein. Les gars commencent à jouer au basket aussi maintenant. Exactement. Assez jeune. Et quand tu parles des réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui... Tu vois LeBron James constamment, LeBron James qui les tweets à chaque seconde. Je crois pas que ce soit toujours LeBron James qui soit en train de tweeter. Hein. C'est pas toujours LeBron James. Alors, il y a un bruit extérieur. Wow. Merci d'avoir coupé le bruit. Vas-y Cédric, s'il te plaît. Cédric? Oui, Phil. C'était chez toi, hein. C'est chez toi qu'on entend le bruit extérieur là. Tu peux voir comment te déplacer ou pour couper le son extérieur pour voir. Sinon, on fait la passe. Hein. Cédric ? C'est bon. Ouais. Il n'y a pas de soucis, Cédric. Donc, qu'est-ce que tu voulais Vas-y. Ouais, je disais, les réseaux sociaux, ce sont les professionnels. C'est sûr qu'avant, il y avait des attractions. On ne peut pas franchement parler de ces attractions-là parce que c'est une époque qu'on n'a pas vraiment vécue. Maintenant, l'attraction, c'est les réseaux sociaux, comme tu l'as dit. Oui. Mais je pense pas que ce soit ça qui pose problème vraiment parce que il y a des gars dans son staff, le bon James par exemple, dans son staff, il y a des gars qui s'occupent de ses réseaux sociaux, c'est pas toujours lui qui s'occupe de ça. Je suis sûr. Et il y a des gars moi, je peux pas savoir, hein, je suis pas là pour cliquer donc je peux pas savoir. Pour ça, il a une équipe qui gère ça. Il a une équipe carrément. Ouais, il a toute une équipe pour gérer ça. Parce que tu te rappelles une fois, il avait eu. Mais quand il chante Never I Will Win et tout ça, c'est lui qui tient la caméra quand même. Regarde par exemple l'autre jour, il est en train d'animer là, il fait le DJ l'autre jour. C'est pas lui qui filme. Regarde, Steph Curry a bloqué pendant les finales, il a carrément dit, c'est fini avec les réseaux sociaux. C'est un peu ça, il n'a rien tuté pendant les finales. C'est pas faux. Ce sont des gars professionnels, je crois pas qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Moi, je pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Et avant, il y avait des attractions. Les attractions ne manquent pas. Avant, il y avait les attractions. Avant, les gars aimaient même les go plus que maintenant. Tu vois, il y a toujours des attractions. La fameuse histoire de Will Chamberlain. Je veux pas soulever tout ça. On va pas entrer dans ce genre de détails. Je veux dire à Will, c'est que... C'est que 16 ans, ce n'est pas petit en NBA. Hein.
Ah ouais, ça sent bien sûr. Donc quand tu parles de longévité, 16 ans, c'est énorme. C'est énorme, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup. Et justement, Cédric a souligné le fait que les gars commençaient assez tard, 21 ans, 22 ans, puisqu'il fallait passer. C'est un moment où tu passais par la NBA avant d'arriver en NBA, si je ne me trompe pas. Julius Erving. Donc tu vois un peu que, alors que dans cette ère, les gars commencent un peu plus tôt. Ce qui fait qu'ils ont une plus grande longévité. Moi, je pense que les joueurs se blessent beaucoup trop. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures. Je tiens aussi à souligner par rapport à ce que tu dis. Je pense qu'il y a un journaliste américain qui a dit les blessures, c'est sûrement par rapport au one and done, c'est-à-dire le fait que les joueurs pas juste fait un an à l'université, le corps n'est pas assez préparé physiquement. En tout cas, oui, c'est l'un des facteurs. C'est l'un des facteurs qui joue, puisque la préparation. Un joueur qui n'a fait qu'un an n'a pas la même préparation qu'un joueur qui a fait deux ans, quatre ans. C'est pas pareil, ça c'est sûr, Un autre élément nouveau de ce calendrier, on va faire réagir Aurélien là-dessus. Aurélien, est-ce que tu es là? Aurélien qui surveille les chats de Neymar qui se connaissent. Les chats qui sont toujours à Sacramento. Aurélien, est-ce que tu es là? Alors Aurélien qui a un petit souci avec sa connexion. On va faire réagir Abou à la place d'Aurélien. Abou? Ouais. Alors Abou, dans ce nouveau calendrier, un élément sur lequel j'ai envie de te faire réagir, un élément qui nous informe que les Suns auront les Suns de Phoenix auront apparemment le calendrier le plus compliqué de cette saison et devine quelle est la franchise qui aura le calendrier le plus aisé de la saison? Golden State. Non. Dernière chance. Les Cavaliers de Cleveland qui auront donc le calendrier le plus aisé de toute la saison. On rappelle juste avant que Abou réagisse que les compositions des matchs durant toute la saison sont établies en fonction des résultats des équipes de la saison dernière. Donc au vu de la situation des Suns, on veut dire qu'ils sont un peu victimes de leur saison passée et les Cavs bénéficiaires de leur saison passée. On va dire ça comme ça. Sauf si Abou aura d'autres arguments tout à l'heure. Abou, comment tu réagis? Il a forcément d'autres arguments. Abou, comment tu réagis? Les Cavs, les Suns, vas-y. C'est du grand n'importe quoi. Déjà, même le débat que j'ai entendu juste avant. Sur la suppression du back-to-back, des back-to-back. Ça voudra dire que en gros les titres gagnés avant n'auront plus la même valeur que ceux qui vont être gagnés à partir de la saison prochaine. C'est-à-dire que comme quoi la NBA, cette ligue-là était réputée en gros pour être la plus difficile, les meilleurs venaient s'y compter et ainsi de suite. Aujourd'hui, ça voudra dire que même un joueur d'un faible niveau maintenant pourra accéder facilement au rang de star, mais pas du tout, puisque on se rend compte que tout cela qu'on a vu par le passé sont des joueurs qui étaient capables de répéter des performances de haut niveau sur 4, 5, 6, 8 matchs voilà, c'est gravé dans le marbre. Là aujourd'hui, si c'est pour faire des performances contre des équipes entre guillemets faible, facile, d'avoir un calendrier qui permet et gonfler les lignes de stats pour l'histoire de la ligue. Honnêtement, ça n'a plus de saveur, ça veut plus rien dire, parce que justement c'était ça la spécificité de ce sport-là, surtout aux États-Unis. C'est souvent plaint que finalement pourquoi au basket les règles sont différentes aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, il n'y a pas cette homogénéité. Souvent on se disait oui mais aux États-Unis voilà on joue tout le temps, en Europe on joue une fois par semaine, voilà, il y avait ce genre de petits débats. Aujourd'hui on pourra dire presque ça va revenir au même, mais je trouve ça je trouve que ça n'a plus de saveur, surtout que pourquoi Cleveland, puisque après tout Golden State dans la logique c'est eux qui devraient avoir ce petit privilège là. Et même Golden State, normalement, ne devrait même pas avoir ce petit privilège-là. Tout le monde devrait être sur la même ligne
de départ. De départ, oui, oui, oui. Parce que si c'est pour avoir en fait finalement la même finale pendant pendant X années. Pendant X années. Et en plus, je suis même pas sûr que ça va servir les Cavs. Mm-hmm. Si c'est dans le but de dire bon allez, on va donner à LeBron James la chance de remporter un titre. Oui. Il va facilement rejoindre le club des losers, c'est-à-dire qu'il va battre le record. Si vous voulez qu'il batte le record, Aiden Beller. Ah, vous gagnez. Non, mais. Ah, vous gagnez, profite. Faire ça à LeBron James. En croyant lui rendre un service, ça va lui desservir. Ça va lui desservir, oui. Et là, il a 5 finales perdues. À ce rythme-là. C'est-à-dire qu'on le repose plus et on lui donne plus de matchs faciles pour arriver au point. C'est ce que tu veux. Oui, mais on va le reposer plus. Mais est-ce que ça va quelque part, est-ce que ça va lui donner la garantie d'avoir le titre à la fin? Parce que non, pas toujours. Les défaites, oui. Les défaites vont s'accumuler. Et à la fin, on va se dire bon bah finalement, le pauvre petit Thierry, s'il est pas bien entouré, parce que je me souviens que par le passé, c'est dans la saison de San Antonio, hein, ou est-ce que la clim, c'est qu'il y a eu un problème de clim lors du premier match. À San Antonio. Pour les Spurs, ça n'a pas posé problème, mais pour lui, ça lui a posé problème. S'il ne peut pas supporter la chaleur, c'est pour lui arranger le calendrier pour qu'il gagne un titre. C'est pas sérieux. Alors, avant que vous réagissiez, sais que vous avez envie de réagir, Cédric, que vous voulez réagir. On va d'abord accueillir. On va accueillir le Doc Olympique qui est sur le parquet de la radio. Bienvenue, le Doc. Bonsoir tout le monde, bonsoir Abou, bonsoir Dimitri, bonsoir Cédric, bonsoir Rudy, bonsoir Ami. Salut les gars. Non, je ne le salue pas. Ah Aurélien, Aurélien, Simon qui est là, hein. Il t'a entendu, il est là. Ça va, allez, bonsoir, il te jette pas. C'est quoi le Doc One Piece? Oui, je suis là, je viens de rentrer directement. Ah justement, en parlant de ta position, je parlais de ta position, de ta géolocalisation et je me disais que peut-être que tu, je savais pas si tu rentrais aujourd'hui. Je viens d'arriver sur Angers là. Okay. Je pense même que après demain, je serai avec Franck Tchoubaï là, on doit se voir. Franck Tchoubaï. Il faut que je regarde un peu le. Il faut que je regarde. Non, je reprends le practice un peu pour me remettre en jambes. Tu reprends le quoi? Le practice. Juste, mais je dis pas que je reprends pour jouer au niveau. Mesdames et messieurs, pour retrouver de la forme. Il reprend le touquet. Il reprend le practice. Donc on est sur le parquet de la radio. En tout cas, ça nous fait très plaisir que tu sois là, le Doc. Alors le doc, c'est comme d'habitude, on te fait la passe dans quelques instants, le temps de faire tourner. Si, j'écoute les gars raconter tout ce qu'ils veulent. Ok. Willy voulait réagir sur ce qu'a dit Abou. Oui, en fait. Après Cédric, Willy et Cédric. Abou va répondre, Willy et Cédric. Et après, oui. Vas-y Willy, s'il te plaît. Abou, je pense qu'on on peut comprendre, on peut parfois essayer de mettre le hit de côté. Pour essayer de comprendre une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé ici du LeBron Rowe. Le fait que Cleveland accommode, ils accommodent l'emploi du temps, le fait que la NBA accommode l'emploi du temps de Cleveland, ça n'a rien à voir avec fatigue ou quoi que ce soit. C'est pour des raisons économiques et purement financières. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on ne peut pas se mettre à dire non, la NBA essaie de favoriser. Ce n'est pas question de favoriser LeBron. Certes, il le favorise, mais l'objectif premier de cette accommodation, ce n'est pas pour le favoriser, c'est pour faire rentrer du cash. Parce que jusqu'à présent, lorsque LeBron est sur les parquets, c'est le joueur qui rapporte le plus d'argent en termes de télévision. Lorsqu'un match télévisé, il y a Cleveland, c'est que LeBron joue. Ce match rapporte, vous voyez. Non seulement, si vous prenez même la peine de regarder les pubs, le nombre de publicités, même pendant les matchs de LeBron, augmente considérablement. Le temps même des mi-temps augmente. Lorsque LeBron joue dans un match, c'est purement financier. Ça n'a rien pour toi, c'est financier. Et je pense que c'est un peu comme quoi, d'une pierre deux coups. Dans le but de faire, c'est-à-dire de
de faire ces recettes financières, indirectement, ils accommodent directement les Browns. C'est-à-dire, ils favorisent les Browns, mais ce n'est pas leur but. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec ça. Jusqu'à présent, les Browns James est la face de cette ligue. Et ce n'est pas prêt de changer. Donc, alors, quand la NBA fait ça... Va la conclusion, après, on va faire la passe à Cédric qui veut parler. Après, Abou va répondre. Donc, pour moi, c'est tout simplement, comme je l'ai dit... L'aspect financier. Ça, c'est l'aspect financier. Tu veux qu'il insiste dessus. Oui, c'est l'aspect financier. C'est tout. Il veut se faire du blé. Parce que, pour ceux qui regardent le football américain, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais les Dallas Cowboys, c'est l'équipe qui rapporte le plus à la NFL. Ce qui fait que quand ils n'ont pas remporté autant que les New England Patriots, mais c'est eux qui rapportent le plus. Ce qui fait qu'eux, ils sont plus accommodés. Par cela, oui, par cela. En tout cas, ton argument, on l'a bien compris. Écoutons un peu Cédric et après, Abou va répondre. Cédric, qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais expliquer quoi. C'est la même chose que je voulais parler. Je voulais dire que. L'aspect financier. C'est l'aide de LeBron. Tout le monde veut voir, par LeBron. Exemple, Curry maintenant aller jouer à Miami et LeBron jouer contre Curry. Après, LeBron jouer contre Steph Curry. Ça va rapporter à la NBA. C'est financier, même si quelque part, comme Willy a dit, ça peut-être ça favorise LeBron James, peut-être aussi que ça le défavorise. Mais c'est plus financier. Moi, je pense que c'est plus financier. On est dans une ère où on ne parle que business. D'accord. Maintenant, ça favorise LeBron James. Quelque part, ça favorise aussi beaucoup d'autres joueurs. Hein. Il ne faut pas seulement regarder LeBron James. C'est vrai que c'est la phase de la ligue. Ouais, mais comme l'a dit Willy, c'est plus business. Abou, comment tu réagis? Abou, est-ce que tu as entendu? Moi, j'entends ce que vous dites, c'est plus business. Mais le business, il était comme ça déjà depuis très longtemps. Et ça n'empêchait pas la Ligue de faire des bénéfices. Et d'autant plus que, d'après vos arguments, j'entends, hein, mais justement, puisque ça, plus ça rapporte. Donc, si je veux faire plus d'argent, justement, mon produit phare, je le mets plus en œuvre, puisque je sais comme quoi les ça gens rapporte plus. Je ne le mets pas moins. Laissons-le terminer d'abord, après vous allez réagir, s'il vous plaît. Je le mets pas moins. Je le mets plus, justement. Lorsque Shaq, Kobe ou Jordan, lorsqu'ils étaient là, même contre des petites équipes et tout, les audiences, elles étaient là. Les matchs étaient retransmis. Il y avait des matchs augmentés. Là, si on parle du principe, soudainement, tiens, en 2018, on s'est réveillé. On va changer tout en profondeur et se dire bon, selon les interprétations, c'est plus du business. Ils étaient déjà en avance, si on regarde bien, depuis 20 ans la NBA. C'est-à-dire que comme quoi ce que les ligues, comme la première ligue de football en Angleterre, des choses comme ça font depuis quelques années. La NBA le faisait déjà depuis longtemps. C'était déjà la ligue qui brassait le plus d'argent. Tu ne vois pas la nouveauté par rapport à ça. Voilà, la plus-value. Attends, je finis directement, s'il te plaît. En même temps, Abou, LeBron James n'est pas à 20 ans, il n'est pas à 25 ans. Hein. Quand tu dis que ça favorise après, LeBron James. Après, Cédric, on va faire la passe au doc. Le doc, il veut réagir. Après, Willy, qui va aussi dire quelque chose. Abou va aller répondre. Vas-y, Cédric, s'il te plaît. LeBron James étant l'image de la NBA aujourd'hui. On est tous d'accord que tout le monde dit LeBron James a fait 8 à 7 finales, il n'a rapporté que 3 titres. Aujourd'hui, si on parle de Curry qui est en train de détrôner carrément LeBron James et que tu dis que tu le favorises et il va en finale et ayant joué assez avec des matchs assez à l'aise sans back to back et qu'on frappe sur LeBron James, attention. Donc je vois pas trop comment on le favorise. C'est juste business. Dans tous les sports, il y aura toujours des innovations. Oui, mais il est déjà dans une conférence parce que c'est plus faible que Curry. Déjà, c'est pas à cause de LeBron James que c'est plus faible que Curry. C'est pas à cause de lui. Oui, mais il est dans une conférence parce que c'est déjà plus faible. Donc, déjà, si on partant du postulat que comme quoi on doit favoriser quelqu'un qui va arriver, donc plus frais, ça s'appelle du favoritisme. Puisque à la rigueur, on aurait dit les deux équipes qui sont arrivées en finale NBA, elles sont au même niveau. La décision, elle me paraissait déjà plus juste. J'aurais dit ok, il n'y a pas de problème. Mais là, pourquoi ne pas être notre joueur d'aller à l'Est alors on ne pas jouer plus de matchs. Si on regarde bien sur les dernières années, Golden State est beaucoup plus performant à tout point de vue. Ils ont gagné plus de titres que Cleveland. Ils ont établi notamment le record
historique en saison régulière. Globalement, ils sont meilleurs que Cleveland et ils ont battu là sur les finales NBA. Donc automatiquement, si on doit appliquer cette règle-là, et d'autant plus qu'ils ont dans une conférence, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mm-hmm. Donc, je vois ce que tu veux dire. Écoutons un peu la réaction du doc. Non, le doc n'est pas obligé de parler. Willy, tu vas réagir, t'inquiète pas, je vais te faire la passe. Il faut qu'on fasse tourner. Lorsqu'on voit le marché de la NBA, oui. Les Golden State Warriors, ils sont pas très loin là avec Curry, LeBron James. Oui. C'est l'icône, mais ils sont pas tellement loin là avec leur trio là. Ils sont pas tellement loin puisqu'ils vendent des maillots. Vous voyez partout les gamins avec soit le maillot de Curry et consort. Hein. Donc c'est pas vraiment marquant. Qu'est-ce que le doc MP qui veut réagir après Willy, après on va tourner Aurélien, Eddy et Dimitri qui doivent aussi parler là suivre aussi sûrement s'entretenir sur ce sujet. Le doc MP. Oui, si j'ai bien compris, excuse-moi parce que je venais de me connecter. Non, vas-y. On demande vas-y. Si LeBron c'est le visage de la NBA, un truc comme ça. En fait, on fait le point globalement sur les changements du nouveau calendrier pour la saison prochaine et on commente point par point les nouveautés de ce calendrier et le point sur lequel on est en train de débattre tous ensemble, c'est sur la réduction du nombre de matchs. Il y aura beaucoup moins de matchs au courant de la semaine. En moyenne, il y aura 3 matchs pour 5 nuits et beaucoup moins de back-to-back aussi. Donc, on a un peu commenté tout ça et globalement, Willy avait notamment commenté en disant que c'était une LeBron James rules, bref, que c'était un élément pour faciliter le repos des franchise players comme LeBron James. Et après, bien entendu, Abou a aussi commenté. Tu as entendu ce qu'Abou a dit, et Cédric Effectivement. Non, mais on parle de LeBron là encore, parce que j'entendais les autres qui disaient ça va favoriser tout le monde comme défavoriser peut-être. Il n'y a pas que LeBron James. Je sais que ça, c'est ce que tu veux dire. Il n'y a pas que lui, je peux le dire honnêtement. Après, Popovic va être le premier content. Oui. Comment il gère son équipe, il sera le premier content. Je peux citer les équipes jeunes en pleine bourre comme Golden State. On a raison de dire que ça peut leur poser problème, mais parmi les meilleurs défenseurs, ils ont des joueurs qui commencent à être vieillissants, donc ils seront bien contents que Iguodala puisse récupérer, parce qu'on a vu qu'Iguodala en forme en playoff, c'est une arme, c'est un cinquième homme, on dit Big 3, mais ça revient à un Big 5 hein, avec Iguodala en forme. Donc c'est tout le monde qui va être avantagé, et c'est vrai que par contre, dans la legacy, et c'est ce que j'ai dit dans les comparaisons souvent de LeBron avec les anciens, c'est pas de sa faute à lui, mais ça joue tout ça. Ça joue, oui, ça joue. Parce qu'il y a un journaliste qui le disait encore sur le plateau de ESPN ou je sais pas lequel. Jordan, sa dernière saison à Chicago, il joue les 82 matchs. Hein. Il était starter pour 30. Quelqu'un joue des machins, des histoires, de voir l'histoire contre Utah, le dernier tiers, mais la saison là, à 36 ans, il joue tous les 82 matchs. Et après, il va jouer tous ses matchs de playoff, il les remplit. Mais c'est pour ça que les comparaisons sont difficiles. Est-ce que maintenant ça va plus vite maintenant? Est-ce qu'il y a plus de contraintes marketing? Ou les joueurs dans l'année sont obligés de prendre l'avion pour faire la pub là-bas, remplir quel autre contrat? Ça, je sais pas, c'est extra basket, c'est extra sportif. En même temps, ça fait partie des contrats qu'ils signent. C'est ce qui leur donne autant d'argent et bien plus que les autres d'avant. Bien sûr. Mais bien sûr. Ça joue aussi dans le fait des comparaisons des fans, parce que les réseaux sociaux permettent maintenant d'être au courant de tout ça. Ça va jouer pour lui, mais ça va pas aider que lui. Hein. Lui, c'est vrai qu'il est dans une période, mais LeBron, s'il peut jouer les 80, il peut jouer les 82 matchs, son physique, il a le physique plus que les gars de 26 ans. Sauf que, il est dans la gestion de son corps par rapport à l'objectif de la finale. Oui, oui. Lui, sinon, s'il se retire l'objectif là, il est plus physique que les mecs de 26, 25 ans qui flambent là. Il peut aller un petit peu jouer tous les 82, mais sauf lui, il commence dans le calcul, il est dans la gestion de son physique. De son corps. C'est bien, c'est faux. Malheureusement, son jeu, c'est un jeu qui est fait pour aller au contact. C'est un jeu de percussion. Donc,
le jour, et on l'a dit l'année dernière, Phil, ici, avec l'âge, il va devoir commencer à tirer. Et la saison, si c'est sa meilleure saison au tir, il va commencer à travailler son fade away parce que aller toujours dans la raquette pour se faire attraper les bras ou bien montrer les muscles parce qu'il faut aller au contact des pivots, ça va se réduire avec l'âge. Ça va se réduire avec l'âge et le repos, peut-être, ça va l'aider pour travailler son tir. Mais moi, je trouve pas que c'est. Ça va l'aider lui, mais pas que lui. Là, je peux dire que ça va aider plus que lui. Mais il n'est pas le seul. Mais par contre, lui, il va accueillir cette nouvelle comme une super nouvelle, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Willy, vas-y. En fait, je vais revenir sur ces comparaisons d'époque parce que je tiens à préciser quelque chose. On a tendance à prendre, c'est-à-dire le legacy de Jordan, on a tendance à le mettre sur un tel piédestal tout en oubliant qu'il y a certains trucs à l'intérieur. La NBA a accommodé ses règles pour suivre Jordan. On le sait très bien. À l'époque, le jeu dans la bouteille, quand on a constaté que Jordan, c'était quelqu'un qui aimait dans la bouteille, on a fait en sorte, c'est là que je pense que c'est quoi encore le nom de cette règle, qui faisait que lorsque tu touches quelqu'un dans la bouteille, ça devient une faute. La NBA a toujours accommodé les règles selon ses superstars. C'est un fait et ça existe depuis. Laissons le faire, parce que lorsqu'on regarde LeBron James, Abou dit que si LeBron James amène tant d'argent, autant le faire jouer. Mais c'est ce que la NBA essaye de faire en mettant un emploi de temps qui est beaucoup plus favorable pour lui. Parce que, regarde, il y a un analyste à Fox Sports, Jason McIntyre, je ne sais pas si vous le connaissez. Lorsqu'on parlait, il y avait une émission où on parlait du fait que LeBron James manquait, il s'asseyait pendant les matchs. McIntyre explique que la NBA, durant les 7 matchs que LeBron a marqué en saison régulière, la NBA a perdu 8,9 millions de dollars. En 7 matchs seulement. Donc, ça fait à peu près 1 million de dollars, un peu plus de 1 million de dollars par match qu'il perd parce qu'un individu décide de s'asseoir. D'accord. Vous voyez un peu ce que ça fait. Dans la NBA, en fait, au final de tout ça, ils sont obligés de réagir. Parce que 1 million de dollars, certes, c'est la NBA, mais c'est pas. Comme je disais tout à l'heure, on me donne 8 millions là maintenant, moi, j'arrête carrément de travailler. Parce que là, c'est énorme. Surtout dans le contexte, je dis pas ici, dans le contexte où on est ici au pays, on sait ce que 8 millions de dollars peut faire ici au pays. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. La NBA a toujours tout fait pour accompagner ses superstars. C'est un fait. Parce que laissons le fait que Jordan joue 82 matchs. Non. LeBron James, en une saison, il joue plus de 95 matchs complets. Donc en une saison, il joue plus que tout le monde. Il était leader de la NBA en minutes. Vous voulez le voir sur le parquet. Il est sur le parquet. Regardez-le jouer. C'est ça. Il joue 75 matchs. Le doc, tu as envie de répondre, mais après on va faire agir les autres. Jean, tu veux répondre. Oui, non, je voulais juste te dire, oui, ça c'est normal. C'est par rapport aux stars, mais il y a lui qui est la plus grosse star du basket depuis un bon petit moment. Il n'y a pas que lui, il y a une période de transition. Quelqu'un a parlé de Steph Curry et d'autres. Je peux te dire que les Warriors, après leurs 72 victoires, 73 victoires, la saison qui venait, les déplacements des Warriors étaient attendus match par match. La saison dernière, Phil, rappelle-toi, le mercato dernier, à la période ci, les journalistes disaient que l'arrivée de Kevin Durant a gâté le truc et qu'ils ne vont même pas regarder la saison parce que pour eux, c'est déjà plié. Et c'était un coup de pression en plus sur les Warriors. On savait que la moindre défaite, même sur le groupe Radio Off, la moindre défaite des Warriors était vue comme une défaite pour ceux qui ne les aiment pas. La moindre défaite était décortiquée. Que oui, oh, et en plus, ils ont même perdu le premier match à domicile contre les Spurs. Et après, donc l'absence de ces mecs-là au repos, partout où ils vont, partout où ils allaient, c'était pour des fans parce que la perte, c'est la billetterie. C'est il y a beaucoup de pertes, hein, les consommations, les machins télé et tout. Pour eux aussi, c'était ça. Comme le marché new-yorkais, qui est l'un des plus gros, qui, à un moment donné, quand New York baisse en truc, c'est le plus gros marché, même peut-être NBA. Il y a plein comme ça. Oui, c'est pour ça que je disais que LeBron, ça va jouer, mais maintenant, je veux dire, surtout la saison prochaine, on a vu l'équipe abattre. C'est les Warriors, mais Houston, qui est la deuxième ville du Texas, a créé une machine de guerre, même au fin fond du Minnesota maintenant, parce que Minnesota c'est quand même un état remarquable, même s'il fait froid.
Maintenant, il y a des équipes qui sont conçues telles que leur déplacement va valoir de l'or pour les petites équipes ou même pour les c'est autres vrai. Franchises, même pas les petites. C'est vrai. C'est pas leur absence, mmh. leur absence sur le parquet, tu retires deux joueurs du 5 maintenant, bah, ça va porter un gros préjudice. Ça va porter un gros, peut-être, oui, c'est pour oui. ça que, peut-être c'est pour ça que c'est mieux d'espacer les matchs et de dire comme ça, dire, vous reposez déjà, il y a moins de matchs au lieu de. Et surtout, vous serez présent pour les grandes rencontres sur les télés. Voilà, sur c'est les ça. Télés, oui. C'est voilà, surtout parce ça. Parce que les mecs, quand ils enchaînent, il y a des matchs, ils choisissent les matchs du repos. Mmh. Et quand ça tombe sur le match où un fan a payé son billet. René Biwele qui escalade à Sacramento pour entrer au stade, ça va. Mais il y a d'autres qui payent et tout. Aurélien Biwele. Oui, Philippe. Alors, est-ce que tu veux réagir par rapport à tout ce que tu as entendu? Sinon, j'ai envie que tu réagisses sur autre chose concernant le calendrier. Hein. Non, juste rapidement, je pense vas-y, que alors, de vas-y. Deux côtés, chacun, ils ont des bons points. Bon, sur le plan de ceux qui ont vu un peu l'époque ancienne, c'est un peu mm-hmm. décevant de voir... des gars qui veulent se reposer parce que bon, tu veux voir un gars compétitif, tu veux le voir tous les soirs. Mmh, mais mmh. Au même moment, bon, tu te dis, la NBA et aujourd'hui, les joueurs ont plus la mentalité de businessman qu'autre chose. Mmh, mmh. Un gars va se dire, bon, moi, je préfère rester sur le terrain quand je sais que je suis en forme, je peux mettre 30 points, je peux faire mon triple-double ou je sais pas quoi. Plutôt que de se dire, je vais aller saigner tous les jours et ne pas être performant ou être fatigué en play-off temps. Des deux côtés, c'est compréhensible. Maintenant, bon, comme c'est le blé qui gouverne le monde, on est obligé de. Alors, si j'avais l'argent là, il pouvait me payer les billets pour aller voir les matchs. Je n'allais pas escalader. Tu n'aurais pas escaladé l'aréna de Sacramento. Allez, on va enchaîner avec toujours ce même dossier. L'autre élément de ce nouveau calendrier, Aurélien, tu gardes la main. Hein, après, on va faire la passe à Dimitri justement sur ce nouvel élément de ce nouveau calendrier. Après, Dimitri sera Eddy. Donc, l'autre nouveau élément, c'est que les grosses franchises de la ligue auront plus de matchs à jouer durant la saison. Hein. Donc, il y aura moins de matchs, certes, mais les grosses équipes auront beaucoup plus de matchs à jouer que les plus faibles équipes. On va prendre quelques exemples comme ça. Les Warriors qui joueront le plus de matchs hein, que toutes les autres équipes réunies, ils auront 43 matchs à jouer durant la saison de plus que les autres. Ils auront 43 matchs à jouer sur les grosses chaînes. En plus, la majorité des matchs vont se jouer sur les grosses chaînes que vous connaissez, les TNT, ABC, ESPN et NBA TV. Donc les Warriors qui ont 43 matchs au compteur, les Cavs et les Rockets auront 40 matchs au compteur, le Thunder 36 matchs, les Lakers 35 matchs et les Celtics 33 matchs. Alors l'autre élément sur lequel je voulais que tu réagisses Aurélien, c'est que pour les fans des Bulls de Chicago, seront très 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 déçus cette saison, hein, les Bulls qui sera probablement la franchise avec le moins d'exposition de toute la NBA, puisque les Bulls auront un seul match sur les télévisions nationales contre 25 matchs sur les télévisions nationales l'année dernière. On rappelle que l'année dernière il y avait beaucoup plus d'attractivité dans cette équipe avec le big three que vous connaissez, Dwayne Wade, Rondo et Butler qui a sauté en éclat. Donc les Bulls qui seront l'équipe la moins médiatisée la saison prochaine. Aurélien, comment tu réagis quand tu entends un truc comme ça? Bon, déjà, ce que tu as dit par rapport à la distribution des matchs sur les chaînes nationales, ça rejoint ce que Willy et Cédric ont dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une question d'argent. Parce que l'année dernière, il y avait parfois des matchs qui étaient d'ailleurs des chocs. Je me rappelle, il y a eu un match Houston-Oklahoma City qui n'était pas sur les chaînes nationales. Donc, si tu n'avais pas le NBA TV... Le League Pass, tu ne pouvais pas regarder tu les matchs. Pas voir, ouais. Je crois qu'ils se sont rendus compte de ce fait-là. Ils veulent gagner le maximum de blé possible. Mm-hmm. Et Chicago, bon, ils sont en train de payer les frais de la perte de leur superstar. Parce que malgré la présence de Dwayne Wade, c'est vraiment Jimmy Butler qui était toujours All-Star en action. Et aussi Reggie
Haaland qui est très populaire pour sa, pour la controverse qu'il amène toujours sur le terrain et dans les vestiaires. Donc ils ont payé cash. Bon, un match quand même, c'est fort, je trouve, pour une équipe légendaire, parce que les Lakers par exemple, les Lakers ont eu un moins bon bilan que Chicago l'année dernière. Sauf, mais sauf que les Lakers, ils ont Lonzo Ball. Voilà, c'est ça. Ils ont c'est un gros livre. C'est flash. Ils ont vu. Voilà, ils ont la hype. Ils ont la hype pour eux. Ouais, ben, donc, c'est un peu ça. Bon. C'est un peu ça, oui. C'est un peu dommage, quand même. C'est dommage. Alors, ça coupe un peu. Ça coupe un peu. Je disais que Chicago pourra se consoler en regardant les matchs de Cleveland. c'est bien envoyé Aurélien. Dimitri, allô Dimitri, est-ce que Dimitri est là? Dimitri depuis Londres, sur le parquet. Dimitri. Alors Dimitri, les Bulls qui seront l'équipe la moins médiatisée la saison prochaine, avec une seule rencontre, hein, je dis bien une seule rencontre diffusée sur les TV nationales, ça ressemble à une punition, hein. Ah, en même temps, ça prendra à John Paxson de faire n'importe quel genre de deal. Donc, qui va aller regarder? Tu veux dire qu'il a chassé, il a chassé Rondo et tous les autres, et maintenant les... Il a chassé Rondo, il a chassé Jimmy Butler. Ouais. Bon, Dwayne Wade est encore là, Brook Lopez est encore là, mais bon, c'est pas ça qui va attirer l'audience. Avec qui? Avec Mirotic? Je sais pas, moi. Toi, les matchs des Bulls la saison prochaine, ça t'intéresse plus? Pas réellement. Je veux pas me réveiller à une heure. Alors, tu veux me réveiller pour aller regarder Mirotic? Je vais pas regarder. C'est un excellent joueur pourtant, Dimitri. Hein? Tu n'aimes pas les barbes, toi? Non. Ah, allez, j'en profite pour avoir un petit coche comme ça. Ça, c'est sympa. Eddie, oui, est-ce qu'Eddie est là? Continue. Oui, Eddie, comment tu réagis à ces news? Les Bulls beaucoup moins médiatisées et les grosses équipes qui ont beaucoup plus de matchs à jouer que les autres, comme les Warriors ou les Cavs, les Rockets. Tu parles des matchs télévisés? Oui, sur les télés nationales, oui. C'est un peu normal aussi. Tu sais, c'est comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous sommes à l'aide du business et même Aurélien l'a renforcé cela. Nous sommes à l'aide du business, donc les équipes qui rapportent le plus, qui attirent le plus d'intérêt sont celles qui seront diffusées. Je pense qu'il y a trois équipes qui n'auront absolument aucun match diffusé sur les chaînes nationales. Hein. Vas-y, il y a les Magic, les Nets et qui d'autre? Magic, les Nets et... J'ai oublié la troisième. On la retrouvera. Ox. On la retrouvera. Les Hawks, hein? Les Hawks, oui. C'est une vraie punition hein, pour tous ces clubs qui n'ont pas de superstars. Ouais, hein. Les matchs vont passer seulement sur chaîne locale. Donc, mieux encore les Bulls. Donc, ils peuvent toujours nous vendre ça, nous on va acheter, hein? N'est-ce pas? La NBA. Hein? Mais c'est pas dommage, c'est... les Bulls, pour ce qui arrive aux Bulls, Eddie, comment tu réagis? C'est bien plus compétitif, ça pourra leur donner un bonus. Donc c'est, la balle est dans leur camp, ça, de travailler. Donc ça favorise, tu veux dire, la compétitivité alors pour toi, ça. Ouais, je sais que c'est très ouvert, ce sera très ouvert cette saison. Donc c'est, s'ils obtiennent une place pour les playoffs, arrivent en demi-finale de conférence. Voilà, l'année. Ils auront plus de matchs diffusés. Ils auront plus de matchs. Allez, on va enchaîner, les gars. On va passer à d'autres éléments concernant ce nouveau calendrier. Il y a encore beaucoup de choses à préciser par rapport à cela. Donc, j'ai parlé des Bulls qui seront bien moins médiatisés. On a entendu aussi la petite info de Eddie. Moi, je l'avais pas dans mes notes. Hein. Il y a quand même trois équipes qui ne seront pas médiatisées. Hein. Il a cité le Magic, il a cité les Hawks et il a cité les Nets. Hein. C'est bien ça, Eddie. Hein. Le Magic, les Hawks et les Nets hein, qui manqueront aussi de médiatisation. Ox d'Atlanta et les Nets. Bon, c'est dommage pour D'Angelo Russell. Hein. Il n'aura pas l'occasion d'utiliser son téléphone. J'en profite pour avoir un petit coche comme ça. Ça fait plaisir. Allez, on enchaîne avec le calendrier. On va parler des Cavs et des Warriors. Les Cavs et les Warriors
pour ceux que ça intéresse, je sais que vous êtes beaucoup à savoir comment ça va se passer, ou bien vous êtes déjà au courant. Les Cavs et les Warriors qui vont donc se rencontrer deux fois au courant de la saison. Une fois, la première fois sera pour le match de Noël, et la deuxième fois sera le 15 janvier de l'année prochaine. Donc les Cavs et les Warriors, vous pouvez déjà noter ça dans votre agenda. Ça, c'est pour nos chers lovers et haters. On leur envoie un gros big up dans le groupe radio All of Fame Basket. Allez, on va enchaîner. Oui, quelqu'un veut réagir? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. À la grande différence, par exemple, au football, en Champions League, chaque année, comme par exemple cette année, tu vas voir des équipes comme... excusez-moi de parler de soccer pour les gens qui ne s'y connaissent pas beaucoup. Chaque année, tu vois... Non, on s'y connaît, on est entre nous, c'est le foot. Mais Barcelone, par exemple, Paris Saint-Germain, parce que cette année, tu vas voir des matchs Barcelone-Paris Saint-Germain parce que Neymar, il y a un petit revanche comme quoi Neymar allait au PSG et tout et tout. Ça va faire tout de l'argent à la FIFA, par exemple. À l'UEFA, par exemple. C'est pour ça que ça se fait jouer. C'est pour ça que ces matchs doivent se jouer. Les gars vont te dire qu'ils font le tirage au sort, comme quoi, le tirage au sort, il y a toujours ces équipes-là. Non, il n'y a pas de tirage au sort. La NBA a la chance de pouvoir de laisser ces choses-là. En UEFA, ils vont se justifier comme quoi ils ont fait des tirages au sort. En NBA, non. Ça va pas être possible ce que tu dis là. Comment ça? Ça va pas être possible. Parce que justement, la NBA tend vers aller vers le profil de l'UEFA pour la Champions League. Parce que ni Paris ni Barcelone ne pourront se rencontrer parce qu'ils sont tous les deux dans le chapeau. Deux. Et parce qu'ils ont pas été. Non, mais en phase éliminatoire, c'est possible. Ils vont te dire qu'ils vont faire le tirage au sort, mais. Abou, rapproche-toi un peu de ton micro, s'il te plaît, pour ta dernière phrase, on l'a pas entendu, s'il te plaît. Abou? Ouais, vous m'entendez là? Oui, là, c'est beaucoup mieux. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Paris et Barcelone, ce n'est qu'un exemple. On a vu le nombre d'années où Barcelone a joué contre Chelsea en quart de finale. Tu vas pas me dire que chaque année, on fait un tirage au sort, c'est toujours la même équipe. C'était juste dès le début, comme ils sont dans le même chapeau, ils pourront pas se rencontrer en phase de poule. Non, c'est juste un exemple. En fait, tu donnais juste un exemple. Il ne disait pas ça pour dire que c'est ce qui va se passer. Non, mais si on a vu Barcelone contre Chelsea en quart de finale, c'est pareil pour la phase NBA. Pour la phase NBA, celui qui termine premier et celui qui termine huitième, on sait très bien que comme quoi ils vont se rencontrer, et ainsi de suite. C'est juste que comme quoi, à la différence, c'est on détermine les groupes et celui qui termine deuxième rencontre un premier et inversement. Non, pas des players. Oui. Moi, je parle des matchs du 5 décembre où le nombre de fois où Golden State et les Warriors vont se rencontrer. C'est des trucs qui font de l'argent. C'est juste business. Voilà, c'est pour ça que tu sais pas à dire. OK. Tu voulais préciser le fait que le cette deux rencontres là servent sur d'abord les intérêts financiers de la ligue. Voilà, c'est surtout ça que tu voulais préciser, Cédric. C'est ça. Moi, je suis pas si sûr que ça, hein. Personnellement. Non, mais... Allez, on va enchaîner, les amis. Je suis obligé de vous couper, les amis. Je sais qu'on a déjà parlé, mais je suis un peu obligé de vous couper, les amis. Financier, juste au côté financier. Vas-y, Abou. Côté financier, j'entends tout le monde depuis tout à l'heure dire c'est le côté financier. Oui, Abou. Mais là, je dors de la NBA, il est passé. Hein. Comme quoi, la plupart qui regardaient du basket, c'est-à-dire que tout le monde regardait du basket, c'était celle de Jordan. C'est-à-dire que tout le monde se levait la nuit, regardait et compagnie, ceci. Là, maintenant, aujourd'hui, ceux qui regardent du basket, hein, ils en regardent différemment. Ce sont vraiment les passionnés de NBA et avant tout ceux qui vivent aux États-Unis. Maintenant, en dehors des États-Unis, on ne va pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup qui regardent les matchs en direct, à part quand c'est type l'événement All-Star Game, finale NBA. Mais les matchs de saison régulière, de la première journée à la 82e journée, on ne va pas se mentir, c'est vraiment des audiences minimes. Ouh, donc, pour ce qui est du business, on repassera une prochaine fois. Allez, on va enchaîner, les amis. On va enchaîner. Hein. Non, on avait compris, Cédric. Tu avais quand même précisé ton truc. J'ai encore reformulé. L'objectif, c'est pas vraiment de convaincre ton adversaire là maintenant.
c'est surtout d'informer les auditeurs. C'est ce que j'ai fait en reformulant ce que tu as dit, Cédric. Hein? On va enchaîner, hein? On enchaîne, Cédric. On enchaîne. Allez, on va enchaîner. Merci Willy qui m'envoie un petit message comme ça. On va parler du programme. J'ai pas terminé avec le programme de la saison prochaine. Je vais préciser que les Warriors seront donc sur la télé nationale 40 fois. Ils seront sur NBA TV 10 fois. Ils seront sur TNT, pardon, 10 fois. Ils sont 40 fois sur la télé nationale, voilà, 10 fois sur NBA TV, sur NBA TNT, je vais y arriver, hein, 10 fois sur NBA TNT, 11 fois sur NBA TV et 13 fois sur ESPN et 6 fois sur ABC. Voilà, je vais finalement y arriver, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Je répète, les Warriors qui seront donc sur la télé nationale 40 fois, 10 fois sur la TNT, 11 fois sur NBA TV, 13 fois sur ESPN et 6 fois sur ABC. Quant aux Cavs, les Cavs qui seront 39 fois sur la télé nationale, ils seront 12 fois sur TNT, 12 fois sur NBA TV, 10 fois sur ESPN et 5 fois sur ABC. Donc voilà pour les deux clubs qui dominent la ligue en ce moment. On va enchaîner avec les news, hein. Je crois qu'on a terminé avec ce nouveau calendrier. Je crois qu'on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce calendrier, n'hésitez pas, hein, fidèles auditeurs, n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux. Vous avez notre page Facebook, notre compte Twitter, notre groupe Facebook Radio Hall of Fame Basket. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à ce calendrier. On va enchaîner avec les news dans le Twitter NBA Show, puisqu'on a le dernier dossier avec les Cavs à traiter tout à l'heure. On va aller du côté de Giannis Antetokounmpo pour rappeler que The Greek Freak qui aura donc son deal avec Nike qui va expirer pour le mois de septembre. The Greek Freak, on va l'avoir précisé du côté de Willy. Willy, il y a du bruit, hein, qui ressemble le direct de ton côté. merci Willy. On va enchaîner pour préciser donc Giannis Antetokounmpo et son contrat avec Nike qui va donc expirer pour le mois de septembre et qu'il va donc renégocier les termes de son contrat. Il devrait pouvoir toucher entre 7 et 10 millions par an et il est aussi en train de négocier. Il y a aussi la négociation d'une chaussure à sa signature, hein, une chaussure à sa, un modèle à son nom, on va dire ça comme ça, une Antetokounmpo, une Nike Antetokounmpo, on va dire ça comme ça, dans le nouveau deal avec il faut trouver un nom, hein, la Greek Freak Nike, hein, la freaky Nike. Oui. Parce que je crois que Nike doit te payer pour les noms que tu proposes. Ils doivent me payer, hein. Parce que là Antetokounmpo Nike, ça donne pas trop, hein. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Allez, on enchaîne rapidement avec les news. On va prendre les nouvelles d'un ancien coéquipier de LeBron James. On parlait de lui tout à l'heure puisqu'il s'agit de Norris Cole. Norris Cole, vous vous souvenez de lui, ce meneur qui a officié aux côtés de King James du côté du Heat. Norris Cole qui va jouer la saison prochaine du côté du Maccabi Tel Aviv. Hein, Norris Cole qui a reçu une offre de $700,000. Pour jouer avec le Maccabi Tel Aviv, pourquoi pas, ça c'est une belle somme, hein. Norris Cole qui va aller en Israël. On rappelle qu'il a passé les 13 il a joué pour la dernière équipe pour laquelle il a joué, c'était le Oklahoma City Thunder. Il avait joué 13 matchs, hein, pour cette équipe, et il avait aussi joué pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour la saison 2015-2016. Donc bon vent à Norris Cole et ses $700,000. S'il veut prendre le doc comme agent, il n'y a pas de souci. On va enchaîner avec les Brooklyn Nets. On va discuter des Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn, on parlait de tout à l'heure, les Nets qui font partie de ces équipes qui ne seront pas trop médiatisées sur les chaînes nationales. C'est Eddie qui nous a donné l'info. Les Nets qui ont signé l'intérieur Jacob Willey pour un two-way contract, donc c'est les dernières places, hein, du spot de cette franchise. Jacob Willey, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de 6.8, donc 2m13. Il a joué 34 matchs pour l'Université de Washington la saison dernière, avec des stats de 20,4 points, 9 rebonds, 2,8 blocs en 34 minutes
de temps de jeu, il shootait à 64%, il shootait à 64%, voilà. C'est quand même un joueur assez intéressant puisqu'il a été nommé Big Sky Conference Most Valuable Player du côté de Washington. Il a aussi été il a aussi été honoré dans la First Team pour la même saison, et il a aussi été leader pour le field goal percentage, pour les rebonds et pour les contres par match, hein, dans cette conférence. Ce joueur qui s'appelle donc Jacob Willey, qui a signé un two-way contract avec les Nets de Brooklyn. Qui veut réagir là? Non, je ne vais pas réagir sur le sujet. Je vais juste un petit message à Carrie. Hein. C'est la personne qui a l'occasion de parler avec Carrie. Il faut lui dire que tous les anciens coéquipiers de LeBron finissent toujours par jouer dans des équipes bizarres. Hein. Donc, oui. Et tu dois le savoir. Ah, c'est bien envoyé, Mais ce que tu dis là, c'est bien envoyé parce que, bon, c'est pas une équipe bizarre. Hein. Il faut quand même donner son respect à la Chine. C'est quand même, oui, c'est quand même un championnat. Oui, oui. On parlait de DJ Exxon. Vous vous souvenez de DJ Exxon? Jackson, il a joué avec LeBron. C'est vrai que lui s'en souvient pas trop, il a pas connu à ses débuts, mais pour ceux qui ont connu l'équipe des Cavs, notamment en 2007, il y avait cet intérieur de Jackson. Il est en Chine, il a re-signé en Chine, et il y a aussi d'autres joueurs, hein, d'autres joueurs qui ont signé avec des équipes bizarres. De prononcer l'équipe, le nom de l'équipe là, mais Cédric, tu m'as donné une idée pour une rubrique pour jeudi prochain. On va un peu faire la liste de tous ces coéquipiers qui ont fini dans les équipes bizarres. Le Brun lui-même. Merci Cédric. Merci Cédric pour l'idée. Le Brun lui-même va finir en Europe. Bon. Il va finir en Europe. C'est pas mal. Au décassé. Nous, on attend Kyrie au décassé. Vous attendez Kyrie au décassé. Il n'y a pas de souci. Oui. Allez, on va enchaîner avec les news pour préciser que alors on va parler on va aller du côté de Oklahoma City. Hein. On va du côté de Oklahoma City. Eddie. Eddie, oui, encore fait. Non. On parle un peu d'Oklahoma City, on aime bien t'entendre par rapport à cela. Russell Westbrook et Paul George qui ont démarré leur first workout ensemble aujourd'hui, cette semaine, du côté d'Oklahoma City. Ils n'étaient pas à Oklahoma City, ils étaient à Los Angeles, hein, je corrige. Ils étaient à Los Angeles avec d'autres joueurs comme Jeremy Grant, Kyle Singler, Semaj Christon et Duke McDermott. Hein, donc ils ont repris les workouts, Eddie, ça te fait plaisir. Tu attends beaucoup de ce début d'ailleurs, non? Avec quelque chose bizarre au genou là, je sais pas de ce quoi il s'agissait. C'était pour protéger. Moi, la même où on dirait que ce sont des trucs pour réchauffer les genoux. Pour réchauffer les genoux là. Pour les rebonds. Les rebonds. Oui, pour les rebonds, ce sont des contretemps. C'est ce qu'il doit avoir. Mais je voulais te demander, Eddie, tu attends aussi beaucoup de ce duo quand même, non, Eddie? Pour les Russell. Oui, j'attends beaucoup de ce duo. Mm-hmm. Et je pense même qu'ils ont une chance de battre les Spurs. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ils ont une chance de battre les Spurs. Mm-hmm. J'enregistrerai. T'inquiète pas, il y a les podcasts, Willy. Vas-y, Eddie, enchaîne. Et après, le doc qui veut t'accompagner dans ce que tu dis. Vas-y, Eddie. Oui. Donc, pour moi, l'objectif d'OKC, c'est la finale de conférence contre Golden State. Voilà, on va voir ça après, mais pour l'instant, c'est ça qu'on va chercher. Je les vois vraiment en finale de conférence. La finale de conférence pour les OKC. Pour les Thunder d'OKC. Ouais. Hein, voilà, il dit qu'il annonce là en direct. Où je vois Steve Adams casser les pieds de Kevin Durant. Edith, vas-y, conclue et après on va faire la passe. Tu l'as encore dit autre chose? Non, je voulais dire que ce que je peux dire de plus, c'est que. Je pense que, vu l'ambiance, d'après ce que j'entends, hein, vraiment l'ambiance est vraiment, l'atmosphère est vraiment très tendue et très bonne. Et Paul George, il est vraiment décidé à travailler vraiment avec Westbrook. Ils sont en train de bosser vraiment ensemble les combinaisons. On rappelle dit que pour le duo Paul George et Russell, c'est carrément un one shot ou rien, hein, parce que l'année prochaine c'est free agent. Hein. En effet. Non,
mais OK, c'est de ils ont déposé un 209 millions sur la table de Westbrook. Non, il a dit qu'il attend, il est pas pressé. Il attend. Okay. Il attend. Il dit c'est maintenant ou jamais quoi. Il est pas pressé, mais si arrivait la dernière période de du trade, on va pas tomber dans le même piège deux fois. Donc, dès qu'on attend, c'est parce qu'il y a encore une autre période de trade en février, je sais pas, janvier, février. Il faut dire que ce qui arrive au cas, c'est une leçon aussi pour les autres, Eddie. Bien sûr. Donc, si en février, il va aller attendre dans une autre équipe. Le King, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. On va attaquer ce dossier tout à l'heure. On va attaquer ce dossier tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Sinon, il serait parti depuis. On va attaquer ce dossier. Gardez vos munitions, les gars. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Le doc, tu voulais aussi abonder dans le sens d'Eddie en disant que les OKC pourraient rivaliser fortement avec les Spurs la saison prochaine. Oui, effectivement, pourquoi pas, ils n'ont pas perdu grand chose. Ils ont ramené Paul George, ils n'ont pas perdu grand chose et les Spurs ont perdu. Pour l'instant, les Spurs n'ont pas renforcé. Ouais, les Spurs ont montré qu'ils ont un joueur sans lui, l'équipe coule. Sans lui, l'équipe cool. Ils ont l'équipe un seul cool, joueur oui. qui s'il n'a pas sa forme. Donc tu peux pas compter sur un joueur. C'est impossible. Les Warriors sont forts. Pourquoi Kevin Durant blessé pendant toute la saison, la moitié de saison, plus une partie des playoffs. Mais il y avait les autres qui ont pris les choses en main. Mais là, au Kessi, ils ont deux mecs capables de battre toute une division, toute une équipe. À eux deux, ils ont deux mecs capables de mettre 65 points. C'est même pas un problème. C'est pas faux. C'est pas un problème, franchement. Et surtout qu'ils ont gardé quelques défenseurs. Ils ont gardé les défenseurs. Ils ont du quoi. Oui, franchement. Là, pour moi, Spurs, OKC, Houston, tout ça, c'est le même niveau. C'est pas mal. Ça va être très intéressant de voir ces rencontres-là. On va terminer sur cette petite. Tu voulais conclure, le doc? Non, je disais, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Je te rappelle que la saison régulière prochaine, la deuxième place, voire la première et deuxième, parce que peut-être les Warriors peuvent avoir un petit. On ne sait jamais. Mais la deuxième place va valoir son pesant de cacahuètes pour éviter les Warriors en demi-finale de conférence. La deuxième place, là, va valoir son pesant de cacahuètes. Les gens ne vont pas calculer jusqu'au bout. Ils ne vont pas calculer. Il va falloir être deuxième. Cédric, est-ce que Cédric est là? Cédric, est-ce que tu es là, Cédric? Alors, Cédric, il répond pas pour l'instant, mais je voulais seulement lui rappeler que je suis super chaud sur le dossier qu'il m'a donné à travailler là pour nous, Line Basket, avec les coéquipiers de LeBron James. On va vraiment travailler là-dessus. Ça me donne envie. On va terminer avec cette petite info pour préciser. On va parler des retours de ces franchise players dans leur terre où ils ont démarré leur carrière. On rappelle que Paul George, on parlait de lui tout à l'heure. Paul George qui sera du retour du côté de l'Indiana le 13 décembre. On aura DeMarcus Cousins qui sera de retour à Sacramento pour aller rendre visite à Aurélien Biwole. Il va aller casser un peu la croûte avec lui. Aurélien. Qui vient de se mordre, on parle de Relengue. DeMarcus Cousins qui sera de retour le 26 octobre. Tu peux marquer cette date, Aurélien. DeMarcus Cousins. Le 26 octobre, il sera de retour à Sacramento. On aura Chris Paul, hein, si vous cherchez ceux qui sont du côté de LA. Chris Paul qui sera de retour à LA pour affronter les Clippers le 15 janvier. Du côté des Bulls, on aura le retour de Jimmy Butler. Jimmy Butler sera le 9 février. Qui retournera à Chicago pour affronter ses ex-coéquipiers. Et on aura Gordon Hayward, qui sera de retour dans l'Utah le 28 mars prochain avec Gordon Hayward. Et on va aussi parler des débuts d'un joueur que j'attends beaucoup. On va parler de Dennis Smith Jr. Du côté des Mavericks de Dallas qui devra débuter le 18 octobre face aux Hawks d'Atlanta. Dennis Smith Jr. qui fait saliver beaucoup de fans, hein, dont moi, j'attends beaucoup de ce joueur, Dennis Smith Jr.
Allez, on va enchaîner. On va parler de, on va parler d'un joueur que, un ex-joueur, Dimitri, tu es là? Est-ce que Dimitri est là? Alors Dimitri, qui? Ouais. Hein, Dimitri, ouais. Dimitri, je voulais que tu commentes avec moi. Dimitri, je voulais que tu commentes avec moi le probable retour le probable retour de OJ Mayo. OJ Mayo. Hein, OJ Mayo qui a été suspendu, on le rappelle, banni par la NBA en 2016, hein, depuis juillet 2016 pour une durée de 2 ans. Pour avoir enfreint les règles de contrôle, les règlements antidopage de la ligue. OJ Mayo qui prépare son retour sur les parquets. Il travaille du côté de Los Angeles actuellement et il aurait perdu beaucoup de points. Il aurait perdu presque 10 kilos pour repasser sous la barre du quintal pour être prêt pour la NBA. Mais on rappelle qu'il a aussi été épaulé par Tony Snell et Taj Gibson durant ses entraînements. OJ Mayo qui aurait annoncé vouloir revenir sur le terrain et c'est pour cela qu'il a fait appel à l'expert Travel Gaines, connu pour avoir travaillé avec Jimmy Butler, James Harden ou encore Carmelo Anthony. Mais on rappelle que pour son retour en NBA, il est suspendu jusqu'en 2018 et son retour ne se fera pas sans un accord de la Ligue et du syndicat des joueurs, dont je pense que Chris Paul va toucher un mot à David Silver pour le réintégrer. Dimitri, OJ Mayo de retour. Dimitri. Il ne faut pas vraiment excitant. Avant de s'en aller de la ligue, il y avait un bilan. C'était un joueur qui avait une bonne hype au début, OJ Mayo, de sa carrière. Il avait une bonne hype au début. On disait le futur LeBron James. Bon, déjà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le referait à LeBron James. Parce que techniquement, il était mieux. C'est pas pour le référer à LeBron James. Physiquement, après, il a beaucoup peiné. Hein. Il s'est posé dans la ligue, il y a des passages mitigés à Dallas, à Milwaukee, et notamment sa suspension. Sa suspension, peut-être pour lui, c'était comme beaucoup de grâce, mais pour lui, je pense que pour lui, c'était comme une forme de repos, parce qu'il s'en sortait déjà pas trop bien en NBA. Maintenant, il est parti, il revient. Je sais pas. Est-ce que ce sera pour lui le coup d'une deuxième chance? Est-ce qu'il va pouvoir prouver ce qu'on attendait de lui au départ? Oui. Je ne sais pas, mais je ne suis pas particulier, mec, par rapport à ça. Je ne pense même pas que les autres seront particuliers. Je pense qu'il a gardé deux reports rapport à la ligue. Chris Paul pourra peut-être l'aider à revenir. Pas peut-être, je pense que Chris Paul va l'aider à revenir. Ici, là, on commence à travailler avec les Tony Smith, les Taj Gibson et les mecs avec qui il a eu l'occasion de jouer auparavant. Bon, Pourquoi pas. On verra le retour d'OJ Mayo. Willy, tu voulais réagir, après on va attaquer le débat. On va parler du dossier. En fait, moi, je suis plus... Moi, le basket, c'est un sport que je respecte énormément. Donc, pour moi, les mecs qui se dopent, il n'y a même pas de seconde chance. Sincèrement, selon mon avis. On devrait les bannir indéfiniment. Parce que les mecs qui se dopent, ils insultent le sport. Et ils insultent la ligue. C'est ton avis, on le respecte. Lorsqu'il passait devant le conseil de discipline, c'était à répéter, c'est-à-dire il y avait des fois même où on a eu à couvrir, c'était répété. Donc pour moi, ça ne sert à rien. C'est pas non plus comme si c'est un grand joueur ou quoi que ce soit. Bon, pour moi, qui reste mieux. Ok, on t'a compris. On respecte ton avis. Il y a pas de souci par rapport à ça. C'est tout à fait légitime. Allez, on va passer au débat. Le match des auditeurs. On se pose la question. Est-ce que LeBron James est en train de tuer le futur des Cavs? Voilà la question sur laquelle on va discuter ensemble tout à l'heure. Tout de suite après le jingle. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. I'm going to war.
les amis, on attaque le match des auditeurs. Hein, je suis obligé, un peu obligé de vous couper en off. Ils sont là très très chauds, très très motivés pour le match des auditeurs. On se pose la question concernant le dossier des cases de Cleveland. D'ailleurs, on va faire la passe à Eddy qui était déjà lancé sur le parquet de la job. Eddy, tu es là, Eddy. Eddy, on va te lâcher sur le parquet de la sur le parquet de la radio. Alors on va faire le point sur vraiment cette franchise des Cavs qui est en pleine incertitude en ce moment. On rappelle la question: est-ce que le bon James est en train de tuer, est-ce qu'il est en train de détruire le futur de cette franchise de Cleveland? On va d'abord faire le point sur les toutes dernières infos concernant les Cavs, bien entendu en relation avec le dossier Kyrie, et vous allez tous réagir par rapport à cette actualité. Alors c'est Eddy qui va démarrer. D'ailleurs, je termine avec ma petite mise au point, mon petit rappel des derniers événements. Après, Eddy va enchaîner sur ce qu'il pense et après on va faire le tour, on va faire la passe aux autres panélistes. Alors on va d'abord rappeler que les Cavs qui ont deux gros problèmes, on le rappelle, on le sait. Le premier problème, c'est bien entendu Kyrie, le programme qui a vraiment jailli, hein, qui a explosé, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est Kyrie Irving, vous le savez. Mais le deuxième gros problème, c'est bien entendu LeBron James, puisque les Cavs n'ont aucune certitude par rapport à la re-signature de leur joueur star. Et vraiment, les choses sont en train de très très mal se passer pour eux, puisque les Cavs, la stratégie que les Cavs ont pour leur franchise, l'idéal pour eux serait que LeBron James puisse signer un long terme, un contrat de longue durée chez eux, et il pourrait bien entendu signer une jeune star en devenir pour tourner autour de lui, pour continuer à tourner autour de lui un peu à l'image de ce qu'il avait réalisé avec Kyrie, hein, puisqu'on se rappelle lorsqu'il est revenu, Kyrie avec quel âge qu'elle est revenu, il avait quoi, 22 23 ans, je sais plus, 21 ans, voilà. Donc apparemment les... C'est ça, hein, 21 ans, entre 21 ans, 22 ans. Donc en tout cas, les Cavs qui souhaiteraient dans le meilleur des cas pouvoir convaincre LeBron James de rester pour un bail plus long et avoir une jeune star en devenir un peu à l'image de ce qu'il a fait avec Kyrie. Et pour cela, ils ont des yeux sur des joueurs comme Kristaps Porzingis des Knicks de New York, ou encore Jason Tatum, Josh Jackson ou alors Jamal Murray. Pour pouvoir intégrer leur effectif. Pour parler de Kristaps Porzingis du côté des Knicks, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments assez forts pour permettre à Porzingis de rejoindre les Cavs, puisque les Cavs qui souhaiteraient avoir Porzingis à Cleveland du côté des Knicks, les Knicks qui voudraient tout simplement avoir le Porzingis. Les Knicks qui souhaiteraient avoir le Porzingis, ce n'est pas possible. Les Cavs qui seraient prêts à prendre le contrat de Joakim Noah, puisqu'il reste 3 ans à Joakim Noah et 55 millions de dollars pour sur le reste de son contrat. Les Cavs qui seraient prêts à prendre ce contrat avec Kristaps Porzingis, mais apparemment les Knicks seraient un peu compliqués. Ils sont compliqués, ne veulent pas se séparer de lui, hein. C'est une chose assez claire. Du côté des Spurs, les Spurs, Kyrie Irving, les Spurs qui font partie de la liste de Kyrie Irving pour l'une de ses franchises, pour l'une de ses destinations préférées, les San Antonio Spurs qui seraient prêts à mettre dans un package LaMarcus Aldridge, Tony Parker et Danny Green pour obtenir Kyrie. LaMarcus Aldridge, Tony Parker et Danny Green pour obtenir Kyrie Irving, ce serait pas mal, mais on ne sait, pour l'instant, les Cavs qui n'ont pas donné suite à cette proposition des Spurs, on attend encore pour voir. Mais la grosse incertitude, hein, c'est la non-signature. Il y a le Doc NP qui réagit. C'est la non-signature de LeBron James pour un long deal, puisque tout le monde le sait, LeBron James qui n'a pas cédé sa no-trade clause. On rappelle, hein, LeBron James qui détient le même pouvoir
assez déstabilisateur de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony qui fout le boule à ses patrons du côté des Knicks. Ils ne peuvent rien faire sans l'accord de cette no-trade clause. Le bon James qui n'a aucune intention de bazarner sa no-trade clause, et on le comprend aussi, c'est son droit, mais ça va aussi au détriment des intérêts de sa franchise de cœur, puisque on rappelle quand même que sa franchise de cœur, c'est quand même les Cavs, hein, on ne refera pas l'histoire. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Si LeBron James s'en va la saison prochaine, comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'il faut trader Kyrie maintenant? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut tenir compte du fait que LeBron James pourrait partir la saison prochaine, et à savoir que s'il s'en va, ce serait une vraie catastrophe pour les Cavs, puisque ils n'ont pas l'intention de compter uniquement sur Kyrie, je ne pense pas. Donc, comment est-ce que les choses pourraient se dégoupiller? On va parler de tout ça ensemble. Est-ce que LeBron James est en train de tuer? Est-ce qu'il est en train de tuer le futur des Cavaliers de Cleveland? J'entends, il rigole, j'appuie sur le mot, c'est pas obligé, je fais exprès. Hein. Alors, Eddie, et après Abou, et après on va tourner. Eddie, comment tu réagis alors par rapport à tout ce qu'on a dit? Oui, très bonne question. Bon, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que du côté de LeBron James, je le dis et je le répète toujours, c'est un joueur qui a la mentalité de businessman. Il a toujours eu cette mentalité dès son jeune âge. Donc, ça dit que on comprend mieux pourquoi il a un si high IQ en basketball. Parce qu'il voit les choses longtemps à l'avance. Il connaît le système. Oui, oui. Il travaille à être le plus productif possible, parce que la balle soit toujours dans son camp. Donc c'est quelqu'un, et là présentement, pour que LeBron James, en tant que businessman, lui, il ne cherche que ce qui va lui rapporter du profit. Et quel est le profit pour lui? Le profit, c'est de gagner des titres. Bien sûr. Donc, il faut, pour qu'il gagne des titres, il faut que la franchise ait un effectif qui peut apprécier et qu'il juge assez compétitif pour atteindre son objectif. Oui. Donc, lorsqu'il regarde une équipe comme les Cavs, il se dit, telle que l'équipe est configurée actuellement, et a vu ce qui s'est passé en finale dernière, il ne peut pas obtenir vraiment ce profit. Donc, par conséquent, il ne peut pas s'engager avec les Cavs. Oui. Donc, s'il y avait eu des traits du genre Paul George, Jimmy Butler, là, il aurait donné son OK fort probablement. Donc, il dit, bon, voilà, je pense avec des six jeunes et talentueux joueurs, je pense qu'on peut être plus compétitif contre Golden State. Mais là, on a eu que José Calderon, et Jeff Green et Derrick Rose, et voilà Karim, qui était l'une des pièces maîtresses de l'équipe, qui veut s'en aller. Donc, il s'est dit, Pourquoi s'engager avec une équipe pareille? Je n'aurais que des pertes, Donc voilà pourquoi il ne peut pas s'engager avec les Cavs. Oui. Donc par conséquent, il y a de très fortes chances qu'il s'en aille à l'été 2018. Oui. Du côté du management des Cavs, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils veulent échanger Kyrie. Oui. Mais les joueurs contre qui ils veulent échanger veulent aussi une certaine contrepartie. Parce qu'on ne veut pas aller là-bas pour une saison et puis LeBron James s'en va. C'est terminé, parce que vous savez, Cleveland, ce n'est pas un big market. C'est LeBron James qui rend Cleveland, qui donne l'impression que Cleveland est un big market. Donc, ça va, mais qui va encore aller à Cleveland? Cleveland sera obligé de compter sur des drafts. Pour avoir une certaine visibilité en NBA. Donc les gars ne veulent pas arriver, jouer une saison et puis voilà, par la suite LeBron James s'en va. Ils sont dans une sorte de dilemme. Ils veulent bien échanger, ils ont des propositions, mais seulement cette proposition exige le OK de LeBron James, et LeBron James ne peut pas donner son OK. Oui. Ça complique vraiment la situation.
Donc, si vous répondez à la question, est-ce que LeBron James est en train de tuer le futur des Cavs, oui. Tuer le futur des Cavs, je dirais plutôt que... Bon, je ne sais pas si je peux dire oui et non, mais je peux dire non je pense que les Cavs doivent déjà penser au futur sans LeBron James. Oui. Ils s'imaginent déjà ça, cette éventualité. De discuter avec Harry, essayer de le convaincre que bon, on va bâtir autour de toi après 2018. Peu importe si LeBron James s'en va ou s'il reste. On va bâtir autour de toi. Essaye au moins, même si c'est qu'il ne veut plus jouer au côté de LeBron James. Essaye quand même que bon, supporte quand même et tout et tout. Son contrat sera terminé, on ne va pas renouveler avec LeBron James. Là, au moins, même si LeBron James s'en va, il y aura au moins Curry. Curry s'entend très bien avec les stars de la NBA. Oui. Je vois. Eddie ? Alors, Eddie qui a eu une petite coupure. Apparemment, Eddie qui a un petit souci. On essaye. Oui, vas-y, viens là. Vas-y, Eddie. Donc, il peut déjà essayer. Moi, je me dis, en tant que manager, je peux déjà essayer de convaincre Curry dans ce sens. Maintenant, Curry insiste. Ce qui va se passer, c'est que d'ici le début de saison, il n'y a pas eu de trade conséquent. Curry sera obligé de rester avec l'équipe. C'est vrai que les vestiaires ce sera plus pareil. Mais on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais l'essentiel, c'est déjà que, à mon avis, les Cavs devraient déjà penser à exiger déjà les draft picks dans les négociations. Afin de pouvoir drafter haut. Dans le futur. Parce que LeBron James, lui aussi, il a déjà 34 ans. Donc, c'est pas comme si, quand j'entends parler de contrat à long terme, c'est bon. Moi, j'estime que c'est vrai qu'il va rapporter beaucoup d'argent. Mais d'autre part, quand tu as quelqu'un qui ne veut pas donner son, qui ne veut pas s'engager avec vous, pourquoi essayer de compter toujours sur lui? Il faut le laisser partir. Il y aura d'autres choses qui vont avoir d'autres stars. Peut-être pas de la carrure de LeBron, mais ils seront des stars si vous draftez bien, si vous avez de bons stars. Donc voilà, c'est pas mal. C'est très très objectif, comme le dit Willy en off. Et Abou, par rapport à ce que tu as entendu et par rapport au sujet, qu'est-ce que tu penses de la question? LeBron James est-il en train de tuer l'avenir de cette franchise des Cavs? Oui, il a déjà même tué, pour moi. Abou qui dit qu'il a déjà tué. Essaye de te rapprocher de ton micro. Tu es un peu loin. Quoi qu'il arrive. Oui. Lorsqu'il va partir, il faudra repartir quand même de zéro. Avec le bordel là qui a été mis sur la place publique, le départ de Kyrie Irving. Je suis pas un bouche-trou. Il le voit comme ça, il va se dire je suis pas un bouche-trou. En gros, vous étiez là, vous m'avez pas convaincu, vous m'avez laissé comme ça comme des merdes. Ensuite, LeBron James, pour les fans de LeBron James, bouchez-vous les oreilles. Ça a quand même permis une deuxième fois. Ce garçon, il a une faculté quand même. C'est-à-dire que dès que ça se complique, hop, je choisis l'équipe où est-ce que ça me semble le plus facile. Le mieux. Pour gagner. Alors, soi-disant, c'est le meilleur joueur. Moi, j'entends que c'est le meilleur joueur, c'est le physique, c'est le joueur le plus dominant. On n'a pas mis ça depuis X, etc. Mais si dans les faits, je dis bien si dans les faits, c'était le cas, normalement, les deux, ils auraient envie de venir jouer avec lui. Il trouvera un moyen de rendre les meilleurs, des joueurs simples, un peu meilleurs. Autour d'un collectif, au moins aller jusqu'au bout et non pas à chaque fois choisir la facilité, parce que là, juste le fait d'imaginer que l'année prochaine, tu puisses te dire tiens, je vais aller dans cette équipe-là, parce que dans cette équipe-là, j'aurai la chance de y aller. On va dire peut-être grand max deux titres, pas plus. Grand max deux titres. Et je suis gentil quand je dis deux titres, parce que je pense plus à un titre. Je vois. C'est quand même grave. Et de c'est grave, façon, oui. Ça fragilise donc. Ça fait passer les dirigeants de Cleveland pour des imbéciles. Kyrie Irving qui se dit moi, il est hors de question. Alors que quand LeBron n'était pas là, on m'avait fait comprendre que comme quoi j'avais les clés du jeu, que j'étais l'avenir. Et que maintenant que LeBron est venu, en gros, tant que LeBron sera là, il est hors de question que comme quoi je vois la lumière.
Et que dès qu'il ne bronne pas, en gros, plus personne ne va venir dans cette équipe-là. À vous qui dresse vraiment. On te suit, hein, y a pas de souci. On va faire un jeu. Non, mais c'est quand même grave, c'est-à-dire comme quoi. Oui. Quand vous êtes le joueur le plus dominant, le meilleur joueur. Oui, oui. Hein, vous, et après, derrière. Vous restez dans l'équipe qui vous a drafté. Oui, oui. Moi, pour, et après, derrière, c'est compliqué. Oui. Voilà, pour essayer de porter votre équipe vers les sommets, vers les plus hauts. Après, vous donnez ce que vous avez à donner. Si jamais vous tombez sur plus fort, c'est pas grave, mais au moins vous aurez essayé. Vous aurez essayé. Voilà. Oui, oui. On ne pourra pas reprocher ça. C'est vrai. On peut pas toujours gagner dans la vie. C'est toujours meilleur que soi. C'est juste. Par du principe que au moins il faut se donner à fond. Et puis après, en fin de carrière, si vraiment il y a zéro titre qui se met au palmarès, pourquoi pas commencer à aller voir ailleurs. C'est respectable. Mais là, faire une fois. Revenir et dire non, mais je reviendrai. Et puis gagner un titre. Et puis voir que, comme quoi en face, c'est Golden State. Et puis après dire, je veux repartir. Et puis non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est difficile. Faisons réagir Aurélien qui va nous quitter. Après, on va faire tourner Aurélien, après Cédric. Vas-y, Aurélien. Bon, je pense que Eddy a donné de très bons points, Abou aussi a donné de très bons points par rapport à la situation. Juste une précision par rapport à ce que Eddy a dit. Déjà, avant même la défaite face à Golden State, il y avait déjà des rumeurs comme quoi LeBron partirait en 2018. Oui. Donc, c'est après la défaite que, bon, tu savais, les réseaux sociaux, tout le monde a commencé à dire Golden State l'a battu tellement fort que maintenant il veut fuir à Los Angeles. Tu vois ce genre de truc. Mais ça, c'est des rumeurs qui étaient déjà dans l'air depuis. Alors, à ce qui était dit depuis du camp de Kyrie et du camp de LeBron, même avant, c'était que au départ, Kyrie Irving, quand il re-signe son contrat en 2014, il sait qu'on va lui donner les clés de la maison. Maintenant, quand LeBron James vient, on lui a fait, David Griffin lui a fait comprendre, OK, sois patient, essaye de gagner de l'expérience avec LeBron, laisse-le être le mâle alpha, ça te permet de gagner. Et maintenant, comme LeBron lui-même l'avait dit, la transition devait se faire entre Kyrie et lui pour que Kyrie ait les clés de la maison, quoi. Et Kyrie devait devenir donc, le franchise player. Donc, même quand LeBron serait parti, Kyrie aurait déjà les clés de la maison, un édifice déjà bien bâti, et ils auraient pu attirer d'autres joueurs de role-player pour garder l'équipe compétitive. Parce que comme il l'a souligné, Cleveland, c'est pas vraiment un gros marché en NBA. Cleveland, je crois que s'il faut aller, si quelqu'un, tu vas jamais entendre quelqu'un qui va te dire, gars, j'ai envie d'aller en vacances, je vais aller à Cleveland. Jamais de la vie. Cleveland, c'est le Lech, gars, c'est comme mon village à mon pays. Donc, tu vois un peu personne en pays. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, je ne pense pas que LeBron James soit la raison principale de l'échec des Cavs. Je pense que les Cavs se sont tirés une balle dans leur pied. Déjà dès le départ, on sait LeBron James, c'est le GM qui vient d'être remercié. C'est grâce à lui que LeBron James revient, parce qu'il a un ami personnel de LeBron James. Les Cavs ont voulu se séparer de lui parce que le owner ne voyait pas les choses de la même manière que lui. Donc ils ont voulu se séparer de lui. Voilà, premier truc qui ne va pas encourager LeBron à rester. Deuxième truc, il y a les rumeurs comme quoi il voulait trade Kyrie Irving depuis des années. Tu vois que quelle que soit la raison pour ça, comme certains veulent dire, OK, LeBron veut utiliser Kyrie. Si c'est le cas, LeBron ne sera pas content que vous voulez le trade. C'est vrai. Deuxième cas, vous réduisez les chances de l'équipe de gagner des titres. Et ça, c'est la chose pour lequel LeBron est là, il veut gagner des titres. Parce que comme il l'avait dit, il est venu pour donner un titre à Cleveland. C'était ça, sa mission. Il a donné le titre. Son seul problème, c'est de rattraper rattraper Michael Jordan, son seul objectif. Donc, si vous ne le mettez pas dans ces conditions-là, comme Eddy l'a dit, il va pas essayer mieux qu'il part. Il va aller se chercher ailleurs. Oui. Donc, c'est pour toi, c'est les dirigeants qui se sont tirés une balle dans le pied, oui. C'est les dirigeants eux-mêmes. Voilà, exactement. Maintenant, bon, si Kyrie lui-même il veut partir, LeBron doit partir. Bon, on va enlever la bannière
la bannière de LeBron à Cleveland, on va mettre pour Derrick Rose avec les signes de l'hôpital. C'est pas mal envoyé, Aurélien. Faisons réagir Willy qui est là. Je voulais faire réagir Cédric, mais après, on met un petit souci avec sa connexion. Willy, comment tu réagis par rapport à tout ce que tu as entendu? En fait, je vais attaquer cette histoire sur trois angles différents. Oui. Parce que lorsqu'on, je vais attaquer sur le. Sur LeBron, je vais le prendre sur Dan Gilbert et je vais le prendre du côté de Kyrie. Mm-hmm. Commençons un peu par LeBron James d'abord. Est-ce qu'il tue Cleveland? Quelqu'un qui vous donne un titre? Parce que je suis désolé, mais Cleveland. Non, je parle du futur. Hein. Je parle du futur. Mm-hmm. Cleveland, c'est la Sibérie mm-hmm. en NBA. Mm-hmm. C'est NBA Siberia. C'est comme ça que les journalistes l'appellent. Oui. LeBron James, il est capable d'attirer. Cleveland a de la valeur parce mm-hmm. que LeBron James donne de la valeur à Cleveland. Même quand LeBron James quitte, des gens pourront se dire, ouf, ça c'est l'équipe où LeBron James a joué. Où LeBron James a joué, oui. C'est pas mal, c'est un bon argument. Alors, mm-hmm. on peut aller là-bas essayer de dire au moins que non, j'ai au moins essayé de jouer. Ou bien quelqu'un peut se dire, il n'y a pas que... quelqu'un pourrait un jour se lever et se dire, il n'y a pas que LeBron qui a donné. Surtout qu'il a ramené le titre dans cette franchise, symboliquement, c'est assez fort. C'est assez fort depuis plus de 50 ans. Donc, c'est assez fort. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme ça que je le prends. On ne peut pas dire LeBron James, parce que Abou disait que non, que s'il est si dominant que ça, pourquoi migrer ici et là? Mais je vais dire quelque chose à Abou de très pertinent. Mm-hmm. Constatons tous les superstars qui n'ont pas migré. Ils étaient dans quel type de marché? Regardez Magic Johnson. Il n'a pas migré, mais il a attiré des joueurs. Pourquoi? Parce qu'il était dans le plus grand marché de la NBA. Mm-hmm. Le deuxième, puisque c'était New York à l'époque. Oui. C'est pas faux, oui. Regardez Michael Jordan. Chicago est quand même accueillant. C'est attirant. Mm-hmm. La ville de Chicago est très attirant même. Regardons encore les stars comme les Dirk Nowitzki ou bien Kobe. Tout le monde, on voyait à Kobe à l'époque. Alors, un petit souci avec la connexion de tout le monde disait qu'il était un peu perdu. Vas-y. Oui, tout le monde voulait quand même se tirer pour venir à l'époque où Kobe était là. Donc, vous voyez que les stars qui n'ont pas changé de team, c'est les stars qui ont été dans des teams, dans des marchés agréables qui peuvent attirer des free agents. Cleveland sans LeBron. Cleveland, LeBron a compris que Cleveland ne pouvait pas attirer facilement des free agents. Surtout pas des trades. C'est ce qui rend difficile. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas me permettre de dire non. D'accord. LeBron a rendu Cleveland crédible. C'est pas faux. Maintenant, prenons sur le dossier Kyrie. Oui. Il y a quelque chose que j'ai vu. J'ai lu le documentaire de. J'ai lu le livre de Phil Jackson, The Road to 11 Rings. Dans le documentaire, oui, je pense que c'est au début du documentaire, il a dit la première chose qu'il a dit à Jordan lorsqu'il a pris en charge l'équipe. Il a dit à Jordan, « Do you want to score or do you want to win? Veux-tu continuer à marquer ou bien veux-tu gagner ?» Jordan a dit, « Je veux gagner. » Il a dit, « Laisse-moi maintenant gérer et tu vas gagner. Je vais faire de toi un champion. » Et on sait, le reste, c'est l'histoire. Le reste, on sait ce que c'est, oui. Oui, Kyrie Irving maintenant, je tape la phase de Kyrie Irving. Oui. Kyrie Irving maintenant, il veut être franchise player, front par-ci, par-là. Donc, Rudy Gobert a tweeté la dernière fois, les gens sont plus intéressés par les apparences que par la gagne. Ils sont plus intéressés par lui. Et c'est ça le problème de Kyrie. Kyrie était intéressé du fait que Cleveland était à la loterie chaque année, mais il pouvait marquer et décider de quand il voulait marquer, comme il veut, quand il veut. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus ça qui l'intéresse. Je ne sais pas pourquoi on va prendre le fait que Kyrie veut pas. Kyrie, il peut être patient. LeBron n'est pas. LeBron a quitté. Ça, c'est un fait. Moi, je. Mais pour toi, ce n'est pas un élément qui va détruire le futur de la franchise. C'est clair. Parce que le simple fait qu'il a donné une histoire. Et maintenant, je prends maintenant ça du côté de Dan Gilbert. Vas-y rapidement, après on va faire la passe. Parce qu'il reste moins de 20 minutes. La véritable personne qui tue Cleveland. La mauvaise gestion. Il veut être GM, il veut être président, il veut être coach. Pas ses décisions unilatérales. Parce que parfois même il a carrément tendance, parce que lorsqu'on voit souvent, j'ai déjà eu tendance à voir un peu, vous savez que Usher il est quand même des pas dans Cleveland,
On voit des vidéos où il est un peu évasif sur Dan Gilbert. On constate que Dan Gilbert gère Cleveland sans même en parler au conseil d'administration, sans donner de rendre des comptes au conseil d'administration. Oui, il a actionnaire majoritaire, donc il fait ce qu'il veut. Oui. C'est pas parce qu'on a actionnaire majoritaire, parce que même ça fait partie de ses prérogatives. Hein. C'est pas illégal, c'est ce que je veux dire. Ça ne plaît pas à tout le monde. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Tu as raison, Willy. Moi, l'un des meilleurs dirigeants en NBA, pour moi, c'est Mark Cuban, parce que Mark Cuban, c'est quelqu'un qui s'entoure. Il est un peu comme LeBron. Il s'entoure des gens qui sont capables et aptes à diriger. Alors, Willy, alors, je suis obligé de te couper un peu, mais on a compris tes trois points. Je voulais qu'on fasse réagir rapidement. Le Doc NP et Dimitri. Dimitri, tu es là? Est-ce que Dimitri est là? Dimitri qui ne répond pas. Le Doc NP, le Doc, tu es là, le Doc? Diego sur Wikipédia, chercher les notes. Dimitri qui est sur le parquet. Alors Dimitri, la question de ce soir, LeBron James, est-ce qu'il est en train de tuer le futur des Cavs avec ce qu'il est en train de se passer, l'incertitude de re-signature? Il a tué le futur des Cavs de Dimitri qui va sur le même chemin qu'à Abou, lui il a pas de soucis. Vas-y Dimitri. Le futur des Cavs quand il est revenu. Parce que on connaît sa logique. Il a donné le titre, Dimitri. Hein? Il a donné un titre. Est-ce qu'il a donné le titre? Il s'est battu pour avoir le titre avec Kyrie Irving. Ils se sont battus pour avoir le titre. Quand tu arrives dans une franchise, alors maintenant t'es gars avec toi, les mecs qui sont un certain âge, un certain niveau, ils sont presque à la sortie de leur carrière, ou les mecs d'une autre trempe. Et avec toi, tu ne favorises pas les émergences, les jeunes avec toi qui vont pouvoir prendre le relais après quand tu seras parti. Tu forces la franchise à donner des contrats max ou des raises of salaries à tes gars. Et toi-même, en prenant des contrats d'un an, deux ans, c'est clair que tu mets la franchise sur je dis ça comment, sur le danger, quoi. Du coup, en danger. Oui, tu penses qu'à toi-même, tu penses à tes propres affaires, mais tu penses aux affaires de la franchise. C'est pas mal. Ça, c'est un très bon point, Dimitri. C'est un mec qui est sage. Parce que c'est ce qu'il est venu faire. Il sait qu'il est venu de l'étude, après il s'en va. Il vient, il prend son argent, il arrange ses stats, il arrange son image, après il s'en va, il s'en fout. Tu veux dire qu'on va plus reprocher ça, en tout cas? On va plus reprocher ça, parce que c'est ce qu'il a fait, tout le monde a vu. Kyrie Irving a vu ça, il veut partir. Aujourd'hui, ils sont dans cette situation. Ils savent qu'ils vont perdre le bronze, ils vont perdre Kyrie Irving. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils auront en échange? Rien. C'est le propriétaire qui se retrouve dans une situation. Comment on dit ça? Quand ils vont se retrouver dans une situation où il aura encore affaire à un autre mec comme Anthony, peut-être demain, quand tu vas encore échanger. Voilà, Anthony Debel. C'est un très mauvais souvenir, ce joueur. C'est pas mal, Dimitri. Dimitri, tu veux conclure? On fait la passe au Doc. Le Doc NP, est-ce que tu es là, mon frère? Est-ce que le Doc répond? Pardon, le Doc qui a un souci avec son micro, il répond pas. Willy, tu vas reprendre à Dimitri? Parce qu'on est sur la fin et après on va faire tourner. Oui, en fait, Dimitri, j'ai déjà dit, fais comme il dit. Eddie, il a dit quelque chose de très sensé, parce qu'il a dit, oui, il tue en partie, mais il ne tue pas complètement. Et il a dit ses points. Parce que lorsqu'on regarde tes points pour lesquels LeBron James tue, comment est-ce que tu peux dire LeBron James tue une équipe alors que c'est quelqu'un qui est venu, il vous a donné un titre, quelque chose que vous ne rêviez seul. Non. Attendez. Il a pris quoi en échange? Excuse. LeBron James actuellement ne me dit pas son salaire. Parce qu'actuellement, c'est un monsieur qui mérite minimum 60 millions même l'année. On le sait tous. Quoi? Abou aussi a envie de parler, Dimitri. On n'a plus beaucoup de temps. Vas-y, Willy, s'il te plaît. Vas-y, Willy. Cleveland valait $550 millions.
Actuellement, Cleveland vaut 2,2 milliards de dollars. Un individu, c'est l'arrivée d'un individu. Une bonne plus-value grâce à LeBron James, c'est ce que tu veux dire. C'est un seul individu qui arrive et donne toute cette plus-value à une équipe. Même l'économie de Cleveland est boostée à 200% depuis que LeBron James est arrivé. C'est vrai que donc, ça reste dans le sujet, c'est vrai, puisque ça reste le futur de la franchise des Cavs. C'est ça que je dis. Quelqu'un qui vient vous le payer pour des miettes, vous ne le payez même pas assez, parce que je ne crois pas qu'il y ait un salaire fixe pour LeBron James. Il mérite minimum 60 millions. Et même les 60 millions là, mais ça, c'est sur les finances. Ça n'a rien à voir. C'est sur l'équipe. C'est pas parce qu'il faut une franchise pour 2,5 milliards que ça veut dire qu'on lui augmente son argent. Non, c'est pour ça que moi, j'essaie de te faire comprendre que le fait même de l'avoir à ce prix, vous devez être fier. Non, c'est une arnaque. Bravo. Willy, écoute un peu la réponse de Dimitri d'abord. Willy, écoute un peu la réponse de Dimitri. Écoute un peu la réponse de Dimitri, s'il te plaît. Et Dimitri, vas-y. Dimitri. Mais pourquoi tu penses que la voix à ce prix-là, ça devrait être un avantage? Pourquoi? Parce qu'il a trop rapporté quoi auparavant? Et en plus, le fait qu'il soit dans une franchise qui ne fera pas d'argent, ça peut. C'est la même chose comme les Ronaldo Real de Madrid. Il y a des trucs autour d'eux qui font en sorte que la franchise puisse rapporter, que la franchise et l'équipe puissent avoir beaucoup d'argent. Et ce sont des assets financiers. Mais ça ne veut pas dire que l'équipe a des liquidités. A des liquidités de 2,5 milliards. C'est une plus-value. Tu veux dire que c'est une valorisation. Enlevons Cristiano Ronaldo du Real ou Messi du Barça si la valeur de ces équipes ne vont pas chuter au moins d'un minimum de 500 millions d'euros. Enlève ces deux joueurs. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. La valorisation. Bon, c'est vrai qu'on sort un peu de la limite du débat, puisqu'on reste dans le futur. Moi, je parlais surtout du futur de la franchise sur l'aspect basket. Hein. Bon, c'est vrai qu'on est en train de tourner un peu vers les limites financières. Je voulais pas qu'on s'éloigne un peu trop. Alors, Abou, Willy, écoute un peu Abou et après tu vas répondre, hein, Willy, oui, puisque tu sont à deux comptes de toi, mais tu vas répondre. Écoute un peu Abou, s'il te plaît. Abou, réponds et en restant un peu sur le sujet, si possible. Là, je porte le coup de grâce parce que c'est. Vas-y, Abou, vas-y. Donc, si je comprends bien, ouais. Bon, l'autre là, c'est un petit smicard, les Brown James. Mais Jordan. Rappelez-moi combien son plus gros contrat sur une année, c'était combien? C'était 30 millions. 35 millions. Oui. 35 millions. Mm-hmm. Donc là, juste 35, oui. Oui, 35. 35 millions. D'accord. Et les deux dernières années au Bulls. Voilà. Et c'était les deux dernières au Bulls. Maintenant, rappelez-moi combien de titres Jordan a apporté à sa franchise. 6. Ah, d'accord. 6. Rappelez-moi l'impact qu'il a eu sur son sport. Allez. On peut pas comparer. Ah bah oui, mais elle est énorme. Mais à vous, c'est un peu fort. Tu compares Michael Jordan à LeBron James, c'est quand même fort, non? Non, c'est justement pour ça que je dis qu'ils n'ont pas. C'est pas pareil. Non, mais si, c'est pareil. Parce que lorsqu'il dit que LeBron James, c'est cadeau, c'est clopinette et compagnie. C'est la même chose pour les joueurs qui ont dominé et qui étaient dans une ligue. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est la même chose, puisque la valorisation était soit la même ou elle était même encore plus forte à cette époque-là. C'est vrai que les Bulls ne représentaient rien avant Jordan, hein, c'est vrai. Ah bah oui, ça représente rien. Avant qu'il arrive, c'était zéro titre, c'était rien du tout. C'était Boston, c'était les Pistons, c'était les Los Angeles Lakers, c'était toutes ces équipes-là. Mais c'était pas les Bulls. Et du jour au lendemain, les Bulls ont vu leur valorisation. C'était quand même l'une des équipes qui était même devant les équipes de foot et qui portait la NBA quasiment un tiers de son chiffre mondial. C'était en partie grâce à eux. Au final, les 35 millions, c'est aussi sous-payé si on va de son joueur dans. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas d'accord avec ce qui. Avec son argument concernant la valorisation. Au rapport trophée gagné,
et innovation et tout ce qui s'ensuit derrière et marketing. Je comprends. Sérieux. Je comprends. C'est pas mal. James, mais faut rester. Il faut rester objectif. Hein. Et faisons un peu réagir Cédric. Cédric, tu es là, mon frère? Cédric? Oui, oui, oui. Alors, Cédric, comment tu. Est-ce que tu as entendu les panélistes? Tu connais le sujet, non? Est-ce que le bon James. Est-ce que le bon James a tué le futur des Cavs avec le fait, toutes les incertitudes autour de sa re-signature liées au départ de Kyrie, tout ça? Comment tu réagis à la question? Ah, déjà, désolé, j'ai pas écouté les autres, j'ai eu un appel là. C'est pas grave, mais par rapport à la question, bon, on reste quand même dans l'actualité. Par rapport à la question. On reste dans l'actualité. J'ai écouté un peu la fin de Abou là. Mm-hmm. Je vais directement enchaîner sur ça parce que je voudrais seulement dire à Abou, imagine un peu un gars comme Conley à qui on a donné tellement d'argent et Conley n'a encore rien produit vraiment par rapport à ce qu'on lui a donné comme argent. J'en reste là. Bon, il y a maintenant, beaucoup d'exemples question, comme ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça aussi. Par rapport à la question que, comme quoi LeBron James est en train de finir, est en train de gâcher le futur de Cleveland. Moi, je dis carrément non. Hein, parce que, avant LeBron James, on ne connaissait pas Cleveland. Aujourd'hui, c'est, chacun veut voir des matchs Cleveland contre Golden State. Oui. C'est clair qu'on veut voir LeBron James jouer. C'est clair qu'on veut voir LeBron James jouer. Et il est payé pour ça. C'est un peu comme un TSC. LeBron James, pour revenir, pour la petite histoire. Est-ce qu'il a en train de tuer le gars, le futur de la franchise? Arrête de tourner que ce qui avant, quoi, c'est pas le Cleveland. Le futur. Pour revenir au futur de la franchise, Cédric. Pour la petite histoire, Pat Riley ne voulait pas que LeBron James parte. Et LeBron James a dit, si tu veux pas que je parte, on manque mon argent. Le gars a donné un prix vraiment faramineux. Pat Riley a dit, non, mon gars, mieux tu pars. Et LeBron James est parti. Cleveland a dit, ok, on va t'accueillir, on te donne le max d'argent, on te donne la no trade contract. Tout ce que la tu no veux. Trade, tout ce ouais, que la tu veux. No trade contract, tu vas donner. C'est la même chose. Moi, j'ai dit, la dernière fois, on parlait de Melo. C'est un pari. Je prends aussi, si ça m'aide, c'est bon. La NBA a permis que LeBron James ait la no trade. La no trade clause. Ils ont permis que Carmelo ait la no-trade clause. Mais le gars doit jouir de sa no-trade clause. C'est le management qui est en train de tuer. Ils auraient pu ne pas prendre LeBron James. Ou ils auraient pu ne pas pourtant, c'est la faute des dirigeants. C'est la faute des dirigeants. Si la franchise ne tourne pas bien demain. Et en 2018, ils disent carrément, mais gars, l'argent qu'on t'a donné là, c'est beaucoup. Nous, on n'a plus besoin que tu viennes manger l'argent ici. On ne te signe plus, tu vas te débrouiller ailleurs, c'est tout. Maintenant, on dit que c'est le premier. Le futur des Cavs. C'est ça que je suis en train de te parler. Le futur des Cavs. Il dit que c'est la faute des dirigeants. Il savait que ça devait clocher quelque part. Et LeBron James n'est pas fou. LeBron James, lui, je dis pour les titres. Il sait carrément, peut-être il n'aura pas assez d'argent et peut-être aussi il n'aura pas de bague. Il faut pas perdre des deux côtés, mon ami. Moi, je reste là où je vais manger mon argent, c'est clair. Cédric Ludovic. Merci, Cédric Ludovic. On est arrivé à la fin de ce talk show. Est-ce que Cédric veut, Dimitri, tu veux dire quelque chose encore? Sinon, on va clôturer. Dimitri, est-ce que Dimitri est là? Dimitri, son micro qui est. Je peux rien dire. Tu as tout dit. On va féliciter nos fidèles auditeurs. Merci à tous d'avoir été connectés ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Encore une belle soirée ce soir pendant le match des auditeurs. On va remercier nos panélistes qui étaient présents. On va commencer par Abou du côté de Monde la Jolie. Merci Abou d'avoir été avec nous ce soir, mon frère. Ouais, pas de problème. Merci à vous. Ça nous a fait extrêmement plaisir que tu sois sur le parquet de la radio. Bien entendu, tu sais comment ça se passe. On réitère notre invitation. Dès que tu as un peu de temps, tu nous fais signe. Ouais, y a pas de soucis. Super. Merci à vous d'avoir été avec nous sur le parquet de la radio. On envoie un big up à Eddie depuis OKC. Eddie. Oui, on te file. Merci Eddie d'avoir été avec nous sur le parquet de la radio. Eddie depuis Oklahoma City. Ça nous a fait très plaisir que tu sois avec nous, Eddie. Hein?
Et toutes nos amitiés à la famille, hein. Toutes nos amitiés à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous les panélistes et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Et dis encore merci d'avoir été avec nous. Aurélien a dû couper. Aurélien qui était sur le point de partir. Hein. On va lui envoyer un big up à Aurélien. Je pense pas qu'il va répondre. Aurélien qui a dû se déconnecter du côté de Sacramento. On lui envoie un gros big up. On va saluer Cédric depuis le Canada. Cédric. Oui, Phil. Merci Cédric d'avoir été avec nous sur le parquet de la radio, mon frère. Ça nous a fait très très plaisir que tu sois avec nous ce soir. Ouais, c'est un plaisir toujours grandement partagé. Hein. Encore une belle soirée. Encore une belle soirée de débat autour du match des auditeurs. Ça nous fait plaisir. On va saluer Dimitri depuis Londres. Dimitri, est-ce que tu m'entends? Merci Dimitri d'avoir été avec nous. Ouais, plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Merci Dimitri. Guy, au grand Guy Batoko, à Sterling Moss. Monsieur Serge Couture, qui s'introduit aux gens qui connaissent le futur basketball. Big up au grand PSS que je. C'est un fan, un vrai fan de la radio. Hein. Il écoute. Hein, donc, tu leur vois ton big up. Il les écoute toujours. Tu sais qu'il est. Toutes les erreurs que tu prends là, il récupère ça. Après, il va t'attraper. Il va t'attraper dans le gros basket. Gros big up à Manu, hein, Manu du. Ah, Manu de Manu! Moi, qui continue le travail, le vrai, moi, sa médaille. Gros big up à Manu de Manu. Manu de Manu, une grande fan de LeBron James et surtout une très grande, un membre très charismatique du groupe Radio Hall of Fame Basket. C'est une bonne description, non, Cédric? Oui. Elle veut mettre sa médaille propre. Il n'y a même pas le vrai. Elle mérite sa médaille. Big up à toi, Manu de Manu. D'ailleurs, on rappelle à tous nos auditeurs, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Radio All Fame Basket, n'hésitez pas, c'est un groupe dans lequel vous allez vraiment vous éclater sur Facebook. Hein. Déjà plus de 25 000 membres inscrits dans ce groupe. Le Doc One P. Est-ce que tu es là, le doc? Alors, le doc, il a dû se déconnecter. On rappelle que le doc, il venait de rentrer, il doit être fatigué, il a dû se coucher. Donc, on lui envoie un gros big up au doc ONP qui est avec nous ce soir. On salue aussi Willie Armstrong Tenajang, de son nom complet, qui est du côté de Boya en ce moment, du côté de Boya dans le 237 national. On envoie un gros big up à Willy qui était avec nous ce soir. Donc merci à tous nos fidèles auditeurs. Ça nous a fait très très plaisir que vous soyez connectés avec nous. Ça nous a fait très plaisir. On envoie un gros big up à Missy du côté de Paris qui n'a pas pu être avec nous ce soir. On lui envoie aussi un gros salut. Et on vous donne rendez-vous pour ce qui est de la radio française. Hein. Vous connaissez comment ça se passe. Jeudi avec nos limites basket, la prochaine édition de la radio pour la version française. Pour ce qui est de la version anglaise, vous savez, on est connecté 24h sur 24, 7 jours sur 7, 6h30, midi et demi, 18h30 avec toutes les nouvelles de l'NBA, NBA Game Time, NBA Live Show. Vous avez toutes les émissions dédiées à cette grande ligue 24h sur 24, 7 jours sur 7. Sur Radio All of Fame Basket. Nous, on vous donne rendez-vous pour le prochain direct. Ce sera jeudi à partir de 21h30 sur Radio Off Basket. Radio All of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Merci les amis. Ciao à tous. Bonne soirée. Bon début de semaine. Ciao. Bye bye. Bye. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux.